And say, Lord, thank you. Et dis, Seigneur, merci. Thank you for your love. Merci pour ton amour. Thank you because you love me. Merci parce que tu m'aimes. Thank you because you love me. Merci parce que tu m'aimes. I want to encounter that love today. Je veux rencontrer cet amour ce soir. I want to encounter that love now. Je voudrais rencontrer cet amour maintenant. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Amen. Amen. We pray that this night, nous prions que cette nuit, you will truly encounter the love of God. Que tu rencontres véritablement l'amour de Dieu. We are almost coming to the end of this crusade. Nous serons bientôt à la fin de cette croisade. What would have happened in your life? Qu'est-ce qui se serait passé dans ta vie? It was organized. Ça a été organisé for your salvation. Pour ton salut. Salvation means le salut signifie to be rescued. Que tu as été sauvé. Rescued. Sauvé from those sins that are piled against you. De ces péchés qui étaient empilés contre toi. That's why salvation. C'est ça le salut. In salvation. Dans le salut. You are forgiven. Tu es pardonné. All the sin you have ever committed. De tous les péchés que tu as jamais eu à commettre. Not because you are good. Pas parce que tu es une bonne personne. But because of Jesus. Mais à cause de Jésus. Because Jesus paid the price. Parce que Jésus a payé tout le prix. In salvation, dans le salut, you are rescued from the power of sin. Tu es sauvé de la puissance du péché. In other words, the power of sin over your life is broken. En d'autres termes, la puissance du péché sur ta vie est brisée. So that you can say no to sin. Afin que tu sois en mesure de dire non you au péché. You can say no to alcohol. Tu peux dire non à l'alcool. You can say no to immorality. Tu peux dire non à l'immoralité sexuelle. In salvation, dans le salut, you are set free from the power of all the demons that are tormenting you. Tu es libéré de la puissance de tous les démons qui te tourmentent. So the grip of demons, en sorte que l'emprise des démons over your life can be broken sur ta vie peut être brisée because of what Jesus did, à cause de ce que Jésus a fait, because of the name of Jesus, et à cause du nom de Jésus. In salvation, dans le salut, you are healed. Tu es guéri from every disease that is found in your body. De toute maladie qui se trouve dans ton corps. Salvation is a package. Le salut est un paquet. Jesus forgives. Jésus pardonne. He heals. Il guérit. He delivers. Il délivre. And in salvation, et dans le salut, you are free from the power of curses. Tu es libéré de la puissance des malédictions. In salvation, dans le salut, you are healed of all the wounds on your heart. Tu es guéri de toutes les blessures de ton cœur. He heals your broken-hearted. Il guérit les cœurs brisés. In salvation, dans le salut, you become a child of God. Tu deviens un enfant de Dieu. You are promoted. Tu es promu. And in salvation, et dans le salut, the blessing of God comes upon your life. Les bénédictions de Dieu descendent dans ta vie. He takes you from the pit. Il te prend de l'abîme. And he raises you up. Et il t'élève. And he places your feet upon the rock to stand. Et il place tes pieds sur le roc afin que tu te tiennes debout. That's what David said. C'est ce que David a dit. He said he lifted me out of the terrible pit in which I was. David dit qu'il m'a sorti de l'abîme terrible dans laquelle j'étais. Then he placed my feet upon the rock. Et il a mis mes pieds sur le roc to stand. Pour me tenir. He takes you out of the pit. Il te sort de l'abîme. He places your feet on the rock. Il place tes pieds sur le roc.
And a new beginning starts in your life. Et un nouveau commencement démarre pour toi. I pray that you will not miss. Je prie que tu ne rates pas the package that God has for you during this period. Le paquet que Dieu a pour toi pendant cette période. We're going to look at Acts of Apostles chapter 16. Nous allons lire dans Actes des Apôtres au chapitre 16. Acts of Apostles chapter 16. Actes des Apôtres au chapitre 16. Verse 16. Du verset 16. To 34. Au verset 34. For the sake of time, since I will be explaining in English, he will read in French only. Donc nous ferons la lecture seulement en français. Acts of Apostles chapter 16. Actes des Apôtres au chapitre 16. From verse 16 to 34. Du verset 16 au verset 34. Read for us, please. Lis pour nous, s'il te plaît. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 16 au verset 34. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut. Ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînaient sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnaient qu'on les battît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetaient en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annonçaient la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui, à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Amen. We see a story here. Nous venons de lire une histoire. There was this young girl. Il y avait cette jeune fille. Who was following Paul and Silas. Qui suivait Paul et Silas. And proclaiming. Et elle proclamait derrière. These are the servants of God. Voici des serviteurs These are the servants of God. Voici des These serviteurs are the de servant Dieu. Of God. Voici des serviteurs de Dieu. But that girl. Mais cette fille. Was the property of somebody. Était la propriété de quelqu'un. There was a spirit in her. Il y avait un esprit en elle. And that spirit.
Et cet esprit là made her a slave. La rendait esclave. So that someone was using her. De sorte que quelqu'un l'utilisait to make money. Pour se faire de l'argent. Someone was using her. Quelqu'un l'utilisait. She was a property. Elle était une propriété. She was just something. Elle était juste quelque chose. She was like your animal. Elle était comme un animal. Where you milk from. Un animal duquel on tirait du lait. And people were coming. Et les gens venaient. And the girl will prophesy. Et cette fille la prophétisait. And they will give money. Et ils donnaient l'argent. But she will not own the money. Mais cet argent-là ne lui appartenait pas. She will give the money to the owner of the property. Cet argent-là, on le remettait au propriétaire du bien. She was only a property of somebody. Elle n'était que la propriété de quelqu'un. She was only a property of somebody. Elle n'était que la propriété de quelqu'un. And goes going after Paul. These are the servants of God. These are the servants of et God. Et elle marchait derrière Paul et disait, vois, ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Ce sont des serviteurs de Dieu. After 3 days. Après 3 jours. The spirit of Paul was troubled. L'esprit de Paul était irrité. And Paul turned to her. Et Paul s'est tourné vers elle. Commanded the spirit to leave. Et il a commandé à l'esprit de partir. That's the first thing we want to say. C'est la première chose que nous voulons dire. Are you just a property of somebody? Est-ce que tu n'es qu'une propriété de quelqu'un? Just a property of someone. La propriété de quelqu'un. Just someone just using you to make his money. Quelqu'un qui t'utilise pour se faire de l'argent. Using you to make his name. Il t'utilise pour faire son nom. That is who this girl was. C'est ce que cette fille était. But on that day. Mais ce jour-là. Paul commanded the spirit. A commandé à cet esprit. And the spirit left. Et l'esprit l'a quitté. And from that day, et dès ce jour-là, she was a slave no more. Elle n'était plus esclave. She was a slave no more. Elle n'était plus esclave. She was a slave no more. Elle n'était plus esclave. She was a slave no more. Elle n'était plus esclave. And as a result of that, et comme résultat de cela, Paul and Silas, et Silas were taken to court. Ont été amenés au tribunal. They were taken to court. Ils ont été amenés au tribunal. Let us look at the judgment. Et regardons le jugement qu'ils ont reçu. And their punishment. Et la punition qu'ils ont reçue. For setting somebody free. Pour avoir libéré quelqu'un. And I want you to know. Et je voudrais que tu saches. The enemy is not happy. Que l'ennemi n'est pas content. That you are set free. Que tu sois libéré. The enemy is not happy. L'ennemi n'est pas content. For your freedom. Pour ta libération. The enemy is not happy. L'ennemi n'est pas content. Let's look at it. Regardons cela ensemble. Verse 22. Verset 22. The crowd joined in the attack against Paul and Silas. La foule se souleva aussi contre Paul et Silas. A massive crowd joined together. Une grande foule s'est soulevée. And attacked Paul and Silas. Contre Paul et Silas. And the magistrate ordered them to be stripped and beaten. Et les magistrats ont ordonné que leurs vêtements soient arrachés et qu'ils soient battus de vêtements. They were stripped naked. On les a déshabillés. And well beaten. Et battus sauvagement. And after they have been severely flogged, et après qu'ils aient été sévèrement battus, they were thrown in prison. On les a jetés en prison. Stripped naked, déshabillés totalement. To become ashamed, for shame. Pour mettre de la honte sur eux. Stripped naked. On les avait complètement déshabillés. I want you to imagine yourself now. Je voudrais que tu t'imagines maintenant. Standing before this crowd. Te tenant devant cette foule. Naked. Totalement nu. Not only naked. Pas seulement nu. Well beaten. Mais sauvagement battu. Not only well beaten. Mais pas seulement battu. But thrown in prison. Mais jeté en prison. After they have been beaten, après qu'on les eut chargés, they were thrown in prison. Ils furent jetés en prison. And the jailer was commanded to guard them carefully. Et on a recommandé au geôlier de les garder sûrement. Number one, un, stripped naked. Déshabillés complètement. Number two, deux, beaten. Battus sauvagement. Number three, numéro trois, well beaten. Battu sauvagement. Number four, quatrième, thrown in prison. Jeté en prison. Number five, cinq, told, on a recommandé to guard them very well. Qu'on les garde sûrement.
But verse 24. Mais le verset 24. Upon receiving such orders, le geôlier ayant reçu cet ordre, he put them in the inner cell. Il les jeta dans la prison intérieure. Then tied their feet upon the stock. Et il mit des cèpes à leurs pieds. We may just be describing your life. On pourrait juste être en train de décrire ta vie. Stripped naked. Déshabillé complètement, à nu. Beaten by life. Battu par la vie. Shattered. Déchiré. Punished. Puni. In prison. Emprisonné. Bleeding. Saignant. Chain. Enchaîné. And surrounded by a demon. Et entouré par des démons. Guarding your life. Gardant ta vie. That's where we are. C'est à ce niveau qu'on se trouve. And that may be your life. Et ça pourrait être là ta vie. That may be your life. Ça pourrait être là ta vie. Strip naked. Déshabillé à nu. Ashamed. Avec la honte. Met beaten very well. On t'a battu sérieusement. Wounded very well. Tu es profondément blessé. Not only that. Et ce n'est pas tout. In prison. Emprisonné. In prison. Emprisonné. Not only that. Et ce n'est pas tout. The enemy commanded. L'ennemi a commandé. To guard you. Que tu sois gardé. And when the enemy heard that. Et quand l'ennemi a entendu cela. He took you in the inner prison. On t'a mis dans la prison intérieure. Inner prison. La prison intérieure. Inner prison. La prison intérieure. Not only in the inner prison. Et pas seulement dans la prison intérieure. Inside the inner prison. À l'intérieur de la prison intérieure. You are tied. On t'a attaché. Enchaîné. Tied. Enchaîné. I pray that your eyes will be open. Je prie que tes yeux soient ouverts. To see your life. Pour que tu voies ta vie. So that you even reach that stage. Pour que tu atteignes même cette étape là. Where you will desire. Où tu désires. To know freedom. De connaître la liberté. From where you are now. De là où tu te trouves maintenant. Stripped naked. Mis à nu. Beaten. Battu. Tormented. Tourmenté. Put in the cell. Mis en prison. Tied. Enchaîné. When that happens in your life, quand cela se produit dans ta vie, you need the visitation of God. Tu as besoin de la visitation de Dieu. You need God to come to your help. Tu as besoin que Dieu vienne à ton aide. Lift up your hand and say, God. Lève la main et dis, Seigneur. I need you to come to my help. J'ai besoin que tu viennes à mon aide. I need you to come to my help. J'ai besoin que tu viennes à mon aide. I need you to come to my help. J'ai besoin que tu viennes à mon aide. Let us look at the help that God gives. Et regardons l'aide que Dieu donne. Let us look at the help that God gives. Regardons l'aide que Dieu donne. From verse 25. À partir du verset 25. About midnight. Environ, il était vers le minuit. About midnight. Il était environ minuit. Paul. And Silas were praying. Et Silas priait. Everybody said Paul and Silas were praying. Que tout le monde dise Paul and Silas were praying. Paul et Silas Paul and Silas were praying. Paul et Silas priaient. They were praying. Ils priaient. And singing. Et chantaient. And singing. Et chantaient. They prayed. Ils priaient. And singing. Ils chantaient. And listen. Écoutez, and he says, et il dit, and the other prisoners were hearing. Et les autres prisonniers les entendaient. The other prisoners were not praying. Les autres prisonniers ne priaient or pas. Singing. Ils ne chantaient pas. They were only hearing. Ils ne faisaient que Paul and Silas. Paul et Silas. They were in prison. Ils étaient emprisonnés. Tied in prison. Enchaînés en prison. Guarded in prison. Gardés en prison. Tied in prison. Enchaînés en prison. Guarded in prison. Gardés en prison. But they were praying. Ils priaient. And singing. Et ils chantaient. Praying. Priaient. And singing. 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 And because of that. Cela, something took place. Quelque chose s'est produit. The Bible says. La Bible dit. The Bible says. La Bible dit. Something took place. Quelque chose s'est produit. In verse 26. Au verset 26. Suddenly. Tout à coup. There was such a violent earthquake. Il se fit un grand tremblement de terre. Get it, brethren. Écoutez bien, frère. That is the solution. Voilà la solution. God gives to any man que Dieu donne à tout homme who find him
themselves in prison, qui se retrouvent en prison, helpless in prison, sans espoir en prison, tied in prison, enchaînés en prison, guarded in prison, gardés en prison, suddenly, soudainement, there was such a violent earthquake, il se fit un grand tremblement de terre, that the foundations of the prison were shaken, en sorte que les fondations de la prison ont été secouées. The foundations, les fondations. It is in plural. C'est en pluriel. Of the prison was shaken. De la prison ont été secoués. Shaken. Secoués. Shaken. Secoués. Shaken. Secoués. Tonight. Cette nuit. The foundation of your prison will be shaken. Les fondations de ta vie seront ébranlées. Tonight. Cette nuit. The foundation of the prison. Inside which you are. Will be shaken. Quel que soit ce que tu as, ces fondements seront ébranlés. The foundation. Ébranlées. I pray for an earthquake. Je prie qu'un tremblement de terre. A violent earthquake. Un violent tremblement de terre. That will shake. Secouer et brûler. The foundation of the prison in which you are found. Le fondement de la vie dans la prison dans laquelle tu te trouves. The foundation of the prison was shaken. Les fondements de la prison ont été brûlés. And what happened? Et qu'est-ce qui s'est passé? Then the Bible says. La Bible nous dit. At once. D'un coup, at once, d'un coup, the prison door flew open. Toutes les portes de la prison s'ouvrirent. At once, d'un coup, the prison doors were open. Les portes de la prison furent ouvertes. Not only that, et ce n'est pas tout. And everybody's chain came loose. Et tous les liens de tous les prisonniers ont été rompus. Oh, the chain. The foundation, les fondements, were shaken. Ont été brûlés. The door, les portes, were open. Ont été ouvertes. The chains, les chaînes, were broken. Ont été brisées. The foundation, les fondements, were shaken. Ont été brûlés. Were shaken. Et brûlés. Were shaken. Et brûlés. Were shaken. Et brûlés. The door, et les portes, were open. Ont été ouvertes. The chains, et les chaînes, on the hands, sur les mains, on the legs. On the body, le corps, were broken. And suddenly, in the prison, la prison, every prisoner, tous les prisonniers, was running around, marcher, and telling the friends, et dit aux autres, I am free. Je suis libre. I am free. Je suis libre. I am free. Je suis libre. This prisoner, chaque prisonnier, we go to this other prisoner, pouvait aller vers l'autre prisonnier, and ask, et dit, have your chain gone off? Est-ce que tes chaînes ont été brisées? He said, "What of the one on your leg? It is gone off. My chain are broken. My own are broken. My chain brisée. And it was for everybody. Et c'était pour tout for le everybody. Pour tout le monde. For 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 everybody. Pour tout le monde. Your chains can be broken. Peuvent être brisées. What do you need? What do you need? De quoi tu besoin? You need an earthquake. Tu as besoin. You need an earthquake. D'un tremblement de terre. You need the heaven. Tu as besoin que le ciel to intervene on your behalf. Intervienne dans ta vie. You need a violent earthquake. Tu as besoin d'un violent tremblement de terre. That will break the chain. Qui va briser les chaînes? That will break the chain. Qui va briser les chaînes? The chain of sin. Les chaînes du péché. The chain of sickness. Les chaînes de la maladie. The chain of immorality. Les chaînes de l'immoralité sexuelle. The chain of witchcraft. Les chaînes de la sorcellerie. The chain of anger. Les chaînes de la colère. The chain of poverty. Les chaînes de la pauvreté. You need an earthquake. Tu as besoin d'un tremblement you de terre. You need the visitation of tu God. Tu as besoin de la visitation you de Dieu. You need heaven to intervene on your behalf. Tu as besoin que Dieu intervienne. You need God. Tu as besoin de you Dieu. You cannot do it on your own. Tu ne peux pas le faire toi-même. You need God. Tu as besoin de you Dieu. You need God. Tu as besoin de Dieu. The chains. Les chaînes. Of sicknesses. De la maladie. Oh, hallelujah. Hallelujah. And the doors were et open. Les portes ont été ouvertes. The doors were open. Les portes opportunity. The doors of opportunity. Les portes d'opportunité. Doors that were closed. Les portes qui étaient fermées. So that jobs could not be gotten. En sorte que tu ne pouvais pas trouver were open. Ont été
was a change. Il y avait un changement. There was a change. Il y avait un changement. There was a change. Il y avait un changement. Because parce que the heaven came down. Les cieux sont descendus. There was something that took place from above. Il y a quelque chose qui s'est produit. Father, Père, we pray. Nous prions for an earthquake in the life of people tonight. Pour qu'un tremblement de terre se produise dans la vie de chacun. We pray. Nous prions for an earthquake. Pour qu'un tremblement de terre. A violent earthquake. Un violent tremblement de terre. That will set people free. Qui va libérer les gens from the power of sin. De la puissance du péché. We pray. Nous prions. We pray. Nous prions for a violent earthquake. Pour un violent tremblement de terre. That will break the chains. Qui va briser les chaînes. The chains on the hand. Les chaînes sur les mains. The chains on the back. Les chaînes sur le dos. The chains on the neck. Les chaînes sur le cou. The chains on the leg. Les chaînes sur les pieds. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. We pray. Nous prions for an earthquake. Pour un tremblement de terre. Lift up your hand and say, Lord, give us an earthquake. Oh, lève la main, dis, Seigneur, donne un tremblement de terre. Say, Lord, give us an earthquake. Salvation is. C'est ça le salut. And that's why you are here. Et c'est pour ça que tu es ici. And that's why you are c'est here. C'est pour ça que tu es ici. You are here. Tu es ici. For the power of God. Pour que la puissance de for Dieu. For the earthquake of God. Le tremblement de terre de Dieu. When Jesus was buried. Quand Jésus avait été enterré. There was a stone. Il y avait une pierre. That was put. Qui avait été roulée. On the door. Et mis sur la porte. Of the grave. Sur l'entrée du tombeau. Where he was buried. Là où il avait été enterré. And there was the seal of the covenant. Il y avait le sceau. But something took place. Mais quelque chose s'est produit. Something took quelque place. Quelque chose s'est produit. There was a violent earthquake. Il y a eu un violent tremblement de terre. There was a violent earthquake. Un violent tremblement de terre. And an angel. Et un ange. From heaven. Du ciel. Came down. Est descendu. And rolled the stone. Et il a roulé la pierre. And rolled the stone. Il a roulé la pierre. And sat on it. Et il s'est assis. And sat on it. 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 Il s'est assis. And after that. Et après cela. Resurrection. La résurrection. 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 La résurrection. That's a new beginning. C'est le nouveau commencement. That God gives you. Que Dieu te donne. In salvation. Dans le salut. Prison foundation destroyed. Les fondements de la prison ébranlés. What is a prison? Qu'est-ce qu'une prison? It's a wall that limits you. C'est un mur qui te limite. It's a wall that limits c'est you. Un mur qui te limite. When you are in prison, quand tu es emprisonné, you are limited. Tu es limité. There's a wall. Il y a un mur. You desire. Tu désires to be like others. Être comme les autres. But you can't move ahead. Mais tu ne peux pas avancer. You are limited. Tu es limité. For some. Pour certains, from the moment they got married, dès l'instant ils se sont mariés, they entered into a prison. Ils sont entrés dans une prison. They entered into a prison. Ils sont entrés dans une prison. Their marriage became a prison. Leur mariage est devenu une prison. So that they remain on one spot. En sorte qu'ils sont restés au même endroit. No progress in their life. Pas de progrès dans leur vie. For some. Pour certains, from the moment they got a job somewhere, dès l'instant où ils ont, they got a job. Dès l'instant où ils ont eu un emploi, they have been there for 10 years. Ils ont été là pendant 20 ans. 20 ans. On the same spot. Sur le même point. You are in prison. Toi, tu es emprisonné. Some people came to Douala. Certaines personnes sont venues à Douala. They have been here 10 years. Ils sont ici depuis 20 years. 20 ans. You are in prison. Toi, tu es en prison. If you are making no progress. Si tu ne fais pas de progrès. Limited. Limité. 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 Limited. Limited. Today, aujourd'hui, the foundation le fondement de la prison will be shaken. Seront ébranlés. 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 Raka ma mama. It will be shaken. Seront ébranlés. It will be shaken. Ébranlés. It must be shaken. Ça doit être ébranlé. It must be shaken. Ça doit être ébranlé. It must be shaken. Ça doit être ébranlé. What is the prison in which you are found? Quelle est la prison dans laquelle tu te trouves? A prisoner to sin. Tu es un prisonnier du péché. A prisoner to sin. Prisonnier du péché. A prisoner to sin.
prisonnier du péché. Today, aujourd'hui, that foundation, ces fondements that has kept you, qui t'ont maintenu in prison, dans la prison, in alcoholism, dans l'alcool, in witchcraft, dans la sorcellerie, it shall be broken, sera ébranlé, it shall be shaken, ébranlé, and you will come out, et tu vas sortir, you will come out, 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 tu vas sortir. We are not preaching. Nous prêchons. We are telling you a word nous for yourself. Nous ne sommes pas seulement en train de prêcher, mais nous sommes en train de te donner une parole we pour toi-même. We are telling you a word for yourself. Nous te donnons une parole pour toi-même. That tonight. Que ce soir. It's a resurrection night for you. C'est une nuit de un tournant décisif pour toi. It's a resurrection night. C'est une nuit de résurrection pour toi. The foundation of your life. Les fondements de ta that vie. That was founded in sin. Tu as été fondé sur founded le péché, in failure, fondé dans les échecs, founded in sicknesses, fondé dans les maladies, founded in curses, fondé dans les malédictions, founded in demons, fondé dans les démons. In the name of Jesus, au nom de Jésus Christ, they are shaken, elles sont ébranlées, they are shaken, because of the name of Jesus, à cause du nom de Jésus. Whatever I have kept you, quel que soit ce qui t'a maintenu, so that people are coming to Jesus, de sorte que les autres viennent à Jésus. People are coming to Jesus. Les autres viennent à Jésus. You cannot come. Et toi, tu ne peux pas. Because you are in prison. Parce que tu es en prison. Today, ce soir, in the name of Jesus, au nom de Jésus Christ, we break that prison nous of unbelief. Brisons cette prison sur ta vie. The prison of unbelief. Nous brisons the cette prison of unbelief. Nous brisons cette prison over your life. Sur ta vie. We break it. Nous la brisons. I will release you. Et nous te libérons. To come out of that prison. Afin que tu sortes de cette prison and know your liberty. Et que tu connaisses ta liberté. The Bible says, la Bible dit, suddenly, immédiatement, something happened. Quelque chose s'est produit. And when it happened, et quand ça s'est produit, the chains of everybody, les chaînes de tous les prisonniers, including yours, incluant toi-même, including yours, incluant tes chaînes à toi, including yours, incluant tes chaînes à toi, came loose. Ont été brisés. Loose. Brisés. Loose. Brisés. Loose. Brisés. Loose. Brisés. Loose. Brisés. Loose. Brisés. And the doors that were closed. Et les portes qui étaient fermées. I don't know how many doors were there. Je ne sais pas combien de portes étaient là. Before. Avant. You go here. Tu vas ici. You meet a door. C'est une porte. You go this side. Ici ce côté. You meet a door. Une porte fermée. You go this side. Et là-bas une porte. You meet a door. Une porte fermée. And they were all closed. Et toutes ces portes étaient fermées. But suddenly. Mais soudainement. You go this side. Tu vas ce côté. An open door. C'est ouvert. This side. Tu vas ici. An open c'est door. C'est ouvert. This side. Tu vas là-bas. An open c'est door. C'est ouvert. This side. Tu vas là-bas. An open c'est door. Ouvert. An open door. Les portes ouvertes. An open door. Les portes ouvertes. In salvation. Dans le salut. He says, il dit, I place a door, an open door before j'ai you. J'ai ouvert une porte devant toi. Which no one can shut. Que personne ne peut fermer. Let's give a clap of acclamons Jesus. Très fort pour le Seigneur. When I was praying for this meeting, pendant que je priais pour cette réunion, the Lord told me two things. Le Seigneur m'a dit deux choses. The first one, la première, I got a vision. J'appelle cela une vision. I got a vision. J'ai eu une vision. In the vision, dans cette vision, I saw a flood of water. J'ai vu un fleuve d'eau. Clean. Propre. And people were rushing to carry. Et les gens couraient pour puiser. Many people were coming to carry. Beaucoup de personnes qui venaient puiser. They were carrying in containers. Portaient des récipients, bucket that des seaux that were broken, qui étaient brisés, that were broken, brisés. They were carried, ils venaient, and the water will go. Ils puisaient et l'eau partait. And the water will go. Ils puisaient et l'eau partait. Carry, ils puisaient et l'eau and the water will go. Ils puisaient et l'eau partait. Your life is a container. Ta vie est un récipient. Your life is a container. Ta vie est un récipient. Your life is a container. Ta vie est un récipient. That clean water. Cette eau propre. That flood of water. Cette eau pure water. Pure. Is the blessing of God. C'est la bénédiction de Dieu. Tonight,
tonight. Ce soir. Tonight. Ce soir. Tonight. Ce soir. Tonight. Ce soir. Close the opening in your life. Ferme les ouvertures dans ta vie. All those openings. Toutes ces ouvertures that have come in your life. Qui sont venues dans ta vie. Because of sin. À cause du péché. Close them. Ferme-les. Through repentance. Ferme-les par la repentance. Through salvation. Par le salut. So that you can contain the blessing of God. Afin que tu puisses contenir les bénédictions de Dieu. So that you can contain the blessing of God. Afin que tu puisses contenir les bénédictions de Dieu. Close those doors. Ferme ces portes. Of unforgiveness. Du manque de pardon. Those doors. Ces portes. Of sin. Du péché. Those doors. Ces portes. That have made you. Qui t'ont rendu. To harden your heart. Qui t'ont amené à endurcir ton cœur. So that there is sin in your life. En sorte qu'il y a le péché dans ta vie. Even when they say repent. Et même quand on dit repens-toi. You don't want to repent. Tu ne veux pas te repentir. You prefer. Tu préfères. To go and look for money. Aller chercher de l'argent. Then you get the money. Et quand tu as de l'argent. You don't keep. Tu ne gardes pas. You don't keep. Tu ne gardes pas cet argent. You don't keep. Tu ne gardes pas cet argent. Because your life. Parce que ta vie. Is like a broken bucket. C'est comme un récipient brisé, cassé. Tonight, ce soir, close that door. Ferme ces portes. Through repentance, par la repentance, so that you can keep the blessing of God. Afin que tu puisses garder les bénédictions de Dieu. So you can keep the blessing of God. Que tu puisses garder les bénédictions de Dieu. So you can keep the blessing of God. Que tu puisses garder les bénédictions de Dieu. The second thing the Lord told me. La deuxième chose que le Seigneur m'a dite. The second thing the Lord told me. La deuxième chose que le Seigneur m'a dite. He asked me. Il m'a demandé. Will you speak to the life of the people? Vas-tu parler à la vie des gens? Or you will preach? Ou tu vas prêcher? Will you tell them? Vas-tu leur dire? Will you tell them? Vas-tu leur dire? That I am the one telling them. Que je suis celui qui est en train de leur that dire. That the foundation of their life is broken. Que les fondements de leur enemy vie in their sont ébranlés. Que les fondements that de l'ennemi dans leur I vie am sont opening brisés. Doors que in their je suis life. En train d'ouvrir des that portes dans leur vie. Ce soir, is my night. C'est ma nuit. To open doors pour in their ouvrir life. Les portes dans leur vie. That will you tell them? Vas-tu leur dire that I am here? Que je suis ici. I am here. Que je suis to ici. Open the closed doors before you. Ouvrir les portes fermées de leur vie. Will you tell them? Vas-tu leur dire that I am here now? Que je suis ici maintenant. Now, now, maintenant. Not tomorrow. Pas demain. Not tomorrow. Pas demain. Not tomorrow. Pas demain. For a violent earthquake in their lives. Que un violent tremblement de terre se produise dans leur vie. To break the chain, break the chain, break the chain of sicknesses, break the chain of sicknesses, break the chain of curses, break the chain of demons. Will you tell them that I am sitting by their side now? Je suis assis à côté d'eux maintenant. Ready. Prêt for an earthquake in their life. Que un tremblement de terre se he is by your side now, my brother. Ready for an earthquake. Prêt pour un tremblement de terre. He is by your side. He's by your side. Il est by your side. Il by your side. Ready for an earthquake. Il est prêt pour produire un tremblement to de terre. Pour ébranler. To shake. Pour ébranler. To shake. Pour ébranler. The foundation. Les fondements. That have been established in your life. Qui ont été établis dans ta vie. So that. Afin que resurrection, 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 will take place in your life. Dans ta vie. Will you give him a chance? Vas-tu lui donner cette ouverture? Will you give him a chance? Vas-tu lui donner cette opportunité? Because that's what salvation is. Parce que c'est ça le salut. In prison, en prison, he did it. Il a fait for Paul and Silas. Pour Paul et Silas. Why? Pourquoi? They were praying. Ils priaient. And singing. Et ils chantaient. They were praying. Ils priaient. And singing. Et ils chantaient. And singing. Et ils chantaient. And for them. Et pour eux. When he did it. Quand il l'a fait. The people near them. Les personnes qui étaient autour d'elle. Benefited. Ont bénéficié de cela. Their chains were broken. Leurs chaînes ont été brisées. Their chains were broken. Leurs chaînes ont été brisées. Their chains were broken. Leurs chaînes ont été brisées. But not all of them benefited. Mais ce ne sont pas tous qui en ont bénéficié. There were some that benefited. Il y a certains qui en ont bénéficié. Listen. Écoutez. Some benefited. Quelqu'un. Someone benefited. Quelqu'un en a bénéficié. Verse 29. Verset 29. The jailer called for light. Alors le geôlier ayant demandé de la lumière. 27. Verset 27. The jailer woke up. Le geôlier se réveilla. When he woke up. Quand il s'est réveillé. What did he do? Qu'est-ce qu'il a fait? When he woke up.
Quand il s'est réveillé, he pulled out his sword. Il a sorti son épée. And was about to kill himself. Il était sur le point de se tuer. He pulled out the sword. Il a tiré son épée. And I was about to kill himself. Il était sur le point de se tuer. Paul said, "Don't kill yourself." Et Paul lui a dit, ne te tue Don't pas. Kill yourself. Ne te fais pas Don't du mal. Kill yourself. Ne te fais pas Don't du mal. Kill yourself. Ne te fais pas du mal. There was something happening. Il y avait quelque chose qui se passait. And he was to benefit. Et il devait bénéficier de cela. Instead of benefiting, au lieu de bénéficier de cela, he wanted to kill himself. Il voulait se tuer. Paul said, Paul a dit, "Don't kill yourself." Ne te tue pas. And we are telling you, et nous sommes en train de Don't kill yourself. Oh, ne te tue pas. Don't kill yourself. Oh, ne te tue pas. Don't kill yourself. Oh, ne te tue pas. The time of salvation has come. L'heure du salut Don't kill arrivé. Yourself. Ne te tue pas. Don't kill yourself. Ne te tue pas. What did the jailer do? Qu'est-ce que le geôlier a fait? He asked them to put on the light. Il a demandé qu'on mette la lumière. Because there was no light. Parce qu'il n'y avait pas de lumière. They were in prison. Ils étaient en prison. In darkness. Dans les ténèbres. May light. Mais la lumière. May light. Puisse la lumière. Come upon you today. Venir sur toi ce soir. Come upon you today. Venir sur toi ce soir. Come upon you today. Venir sur toi ce soir. Come upon you today. Venir sur toi ce soir. And what did he do? Et qu'est-ce qu'il a fait? He called for light. Il a demandé de la lumière. Then he came. Et il est venu. Trembling. Tremblant. Trembling. Tremblant. He asked Paul. Il a demandé à Paul. Sir. Oh monsieur. Sir. Oh monsieur. Before. Avant. They were calling him sir. On l'appelait monsieur. People were calling him sir. Ce sont les gens qui l'appelaient monsieur. But now. Mais maintenant. He is the one. C'est lui. 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 Sir. Qui dit monsieur. What must I do to be saved? Pour être sauvé. Sir. Monsieur. Sir. Monsieur. Sir. Monsieur. A miracle has taken place. Un miracle s'est produit. A miracle has taken place. Un miracle s'est produit. A miracle has taken place. Un miracle s'est produit. There is something I need to do. Il y a quelque chose que j'ai Tell me. Dis-moi. What I should do. Ce que je dois faire. To be saved. Pour être sauvé. The miracle. Le miracle. Is not the salvation. Ce n'est pas le salut. The miracle. Le miracle. Is not the salvation. Ce n'est pas le salut. It is something that pulls you. C'est quelque chose qui t'attire. To salvation. Vers le salut. To salvation. Vers le salut. To salvation. Vers le salut. Healing. La guérison. Is not the salvation. Ce n'est pas le salut. Deliverance. La délivrance. Is not the salvation. Ce n'est pas le salut. He asked. Il a demandé. What must I do? Que dois-je faire? He said, "I need to do something." Il a dit, j'ai besoin de faire quelque chose. I need to do something. J'ai besoin de faire quelque chose. I need to do something. J'ai besoin de faire quelque chose. I need to do something. J'ai besoin de faire quelque chose. Paul told him. Et Paul lui a dit, believe. Crois in the Lord Jesus. Au Seigneur Jésus. Believe. Crois in the Lord Jesus. Au Seigneur Jésus. And you will be saved. Et tu seras sauvé. You and your whole family. Toi et ta famille. He was telling Paul. Il était en train de dire à Paul. This miracle has taken place. Ce miracle qui s'est produit. I have seen it. Je l'ai vu. I have seen it. Je l'ai vu. But. Mais. I don't need just miracle. Je n'ai pas juste besoin du miracle. I need salvation. Je veux le salut. I need salvation. Je veux le salut. Put up your hand and say, I need salvation. Enlève la main et dis, je veux le salut. I need salvation. Je veux le salut. Lord, thank you for miracle. Oh Seigneur, merci pour les miracles. Thank you for miracle. Merci pour les miracles. I need salvation. J'ai besoin du salut. Paul told him. Paul lui a dit. Believe in the Lord Jesus. Crois au Seigneur Jésus. Believe in the Lord Jesus. Crois au Seigneur Jésus. Believe in the Lord Jesus. Crois au Seigneur Jésus. Believe. Crois that Jesus died for que you. Jésus est mort pour toi. Believe. Crois that he died for your sin. Qu'il est mort pour tes péchés. Believe. Crois that your sin. Que tes péchés. Took him to the cross. L'ont amené à la croix. Believe in the Lord Jesus. Crois au Seigneur Jésus. Not in your religion. Pas en ta religion. Not in your religion. Pas en ta religion. Not in your religion. Pas en ta religion. In the Lord Jesus. Au Seigneur Jésus. In the Lord Jesus. Oh Seigneur Jésus. In the Lord Jesus. Oh Seigneur Jésus. When you believe in the Lord Jesus. Oh Seigneur Jésus. When you believe in the Lord Jesus. Oh Seigneur Jésus. You will be saved. Tu seras sauvé. And et Paul knew. Savait, even though he told him quoi qu'il lui a dit, to believe in the Lord Jesus. De croire au Seigneur Jésus. That was not enough. Que ça ne suffisait pas. He needed to show him. Il avait besoin de lui montrer how to believe in the Lord Jesus. Comment croire au Seigneur Jésus. The Bible says, la Bible dit, he preached the word. Il lui a prêché l'évangile to him, à lui, and everybody, et à toute sa famille, in his family, dans sa famille, everybody. Il a prêché la parole à lui et à tout le monde. He told him, dans sa famille, il believe dit, in the Lord Jesus. Croire au Seigneur Jésus. There was an earthquake. Il y a eu un tremblement de terre to make you, pour te faire, ready. Pour te rendre prêt to come to Jesus. Pour venir à Jésus. Alléluia. Alléluia. God has done something already for you. Dieu a déjà fait quelque chose pour toi.
breaking the power of the enemy, en brisant la puissance de l'ennemi, opening the prison door, en ouvrant les portes de la prison. It is unfortunate, malheureusement, that on that day, ce jour-là, only one person, il n'y a qu'une seule personne, only one person, une seule personne, as a demandé, what must I do to que be dois-je saved? Faire pour être sauvé? All the prisoners, tous ces prisonniers, nobody asked. Aucun d'entre eux n'a demandé. They saw the miracle. Ils ont vu le miracle. They were excited about the ils miracle. Étaient excités au sujet du miracle. But mais they missed Jesus. Ils ont raté Jésus. The prison warder, le geôlier, he turned. Il a demandé, what must I do? Que dois-je faire? What must I do? Que dois-je faire? What must I do? Que dois-je faire? To be saved. Pour être sauvé. This night, cette nuit, you can hear. Tu peux entendre. What you must do. Ce que tu dois faire. To be saved. Pour être sauvé. And this night, et ce soir, you get saved. Tu es sauvé. Let's clap to the Lord. Acclamons Jesus. Pour le Seigneur. Let us summarize what the Bible says. La Bible dit, Paul preached the word, a prêché l'évangile, to him, à lui, and all his family members, et à toute sa famille. He told him, bring all your family members. Il leur a dit, amène toute ta famille. Bring all your family members. Amène toute ta famille. And he told them, et il leur a dit, number one, première chose, all of you are wicked. Vous tous, vous êtes méchants. You are all sinners. Vous êtes tous des pécheurs. You are all sinners. Vous êtes tous des pécheurs. Living in sin. Vivant dans le péché. Beating the servant of God. Frappant sur les serviteurs de Dieu. Insulting the servant of God. Insultant les serviteurs de Dieu. He told them, il leur a dit, all of you. Vous tous. All of you. Vous tous. You. Toi, the jailer, le geôlier, look at the way you wounded me. Regarde comment tu m'as blessé. Look at the way you regarde comment tu m'as blessé. For nothing. Pour rien. Look at wounds all over regarde my body. Regarde toutes les blessures sur mon corps. Look at the sign. Regarde les signes. That shows qui that you are truly a sinner. Que tu es vraiment un pécheur. That you are truly a sinner. Que tu es vraiment un pécheur. Look at your family. Regarde ta famille. Look at that child. Regarde cet enfant là. Look at that child. Regarde cet enfant là. Immoral. Immoral. Look at the other one. Regarde l'autre là. Copying you. Copiant ce look que at tu your es. Wife. Regarde à ta femme. He preached to all of them. Il a prêché à eux tous. And told them. Et il leur a dit. You are all sinners. Vous êtes tous des pécheurs. You are all sinners. Vous êtes tous des pécheurs. You are all sinners. Vous êtes tous des pécheurs. You need to abandon your sin. Vous devez abandonner vos péchés. You need to abandon your vous devez sin. Abandonner vos péchés. And what did they do? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? They believed. Ils ont cru. And the Bible says. Et la Bible dit. The man. L'homme. Took the Paul, a pris Paul and Silas, et Silas, and washed their wounds. Il a lavé leurs blessures. And washed their wounds. Il a lavé leurs blessures. That's repentance. C'est ça la repentance. When you look at the wound, quand il regarde les blessures, he had created, les blessures qu'il avait créées, he felt bad. Il s'est senti mal. He felt bad. Il s'est senti mal. He told the wife, il a dit à sa femme, warm some water for me. Chauffe-moi un peu d'eau. Warm some water. Chauffe-moi un peu d'eau. And he took Paul, et il a pris Paul, and washed his wound. Il a lavé ses blessures. Then he told Silas, et il a pris Silas, and washed his wound. Il a lavé ses blessures. Then that night, et cette nuit-là, it was after midnight. Il était plus de minuit. All of them were baptized. Et tous ils ont été all baptisés. All of them were baptized. Et tous ils ont été all baptisés. All of them were baptized. Et tous ils ont été all baptisés. All of them were baptized. Et tous ils ont été baptisés. All of them. Et tous. Salvation came to his home. Le salut est entré dans sa maison. Salvation came to his home. Le salut est entré dans sa maison. Salvation came to le his home. Le salut est entré dans sa maison. The prisoners, les prisonniers, remain, sont restés. They remain in the prison. Ils sont restés en prison. They look for other doors. Ils ont cherché d'autres portes. No, people look for other doors. Les gens cherchent d'autres portes. And close the door again. Et ils referment à nouveau la porte. And strengthen the foundation again. Et ils renforcent les fondements. And they remain inside. Et ils restent à l'intérieur. But the prison warder, mais le gardien de prison, was free. A été libéré. Listen, écoute, it is a spiritual prison. C'est une prison spirituelle. There's a prison. Il y a une prison. There's a foundation. Les fondements over families. Sur les familles that keep families in prison. Qui maintiennent les familles en prison. You can actually have a town like this. Tu peux avoir un moment comme celui-ci. A town. Une ville comme celle-ci. That is in prison. Qui est emprisonnée. But God, mais Dieu, can visit that family. Peut visiter cette famille. Can visit that town. Il peut visiter can cette visit ville. That person. Il peut visiter cette check personne. Check the foundation. Et branler les fondements. Open the doors. Ouvrir les portes. And when he opened the door. Et quand il ouvre les portes. Come out. Sort. 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 And believe in Jesus. Et crois au Seigneur Jésus.
And if you have wounded someone, et si tu as blessé quelqu'un, this is what restitution is. Voici ce que signifie la restitution. When you have wounded somebody, quand tu as blessé quelqu'un, when you have wounded someone, quand tu as blessé quelqu'un, when you have ruined the life of someone, quand tu as ruiné la vie de quelqu'un, you need to wash the wound. Tu as besoin d'aller nettoyer les plaies. You need to wash the wound. Laver les plaies. You need to say I'm sorry. Tu as besoin d'aller dire je suis désolé. You need to turn to your wife and say I'm sorry. Tu as besoin de te tourner vers ton épouse et lui dire je suis désolé. I'm sorry. Tu as besoin de te tourner vers ton mari et lui dire je suis désolé. You are workmate and say I'm sorry. Tu as besoin de te tourner vers tes employés et leur dire je suis désolé. How many people have you wounded? Combien de personnes as-tu blessé? How many people have you wounded? Combien de personnes as-tu blessé? It did not end there. Ça ne s'est pas arrêté là. It did not end there. Ça ne s'est pas arrêté là. He washed their wound. Il a lavé leurs blessures. Then they took him. Et ils l'ont pris. And baptized him. Et ils l'ont baptisé. Hallelujah. Hallelujah. That's what happens. C'est ça qui se produit. When you come to Jesus. Lorsque tu viens à Jésus. When you come to Jesus. Quand tu viens à Jésus. You repent. Tu te repens. You get baptized. Et tu es baptisé. You get baptized. Tu te fais baptiser. You get baptized. Tu te fais baptiser. It did not end there. Ça ne s'est pas arrêté là. What happened? Qu'est-ce qui s'est passé? The Bible says, la Bible dit, he placed a meal before them. Il leur a fait un repas. Hallelujah. 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 And then he told Paul. Et il a dit à Paul. Brother Paul. Frère Paul. Brother Paul. Frère Paul. Brother Paul. Frère Paul. Brother Silas. Frère Silas. Brother Paul. Frère Paul. I don't know what his name was. Je ne sais pas quel était son nom. Fellowship has started. Il a dit, l'assemblée a commencé. Fellowship has started. L'assemblée a commencé. He has become a child of God. Monsieur, il était devenu enfant de Dieu. He now has brothers. Maintenant, il avait des frères. He had given his life to the Lord. Il avait Lord. Donné sa vie à Jésus. Tonight, ce soir, the door is open. La porte est ouverte. The chain is broken. Les chaînes sont brisées. The foundation is shaken. Les fondements sont ébranlés. You are going to see it. Tu vas le voir. You are going to see it. Tu vas le voir. As we shall be praying for people. Et pendant que nous allons prier pour les gens. The foundation is broken. Les fondements sont brisés. What do you need to do? Qu'est-ce que tu as besoin de faire? What shall I do? Que dois-je faire? To be saved. Pour être sauvé. Believe in the Lord Jesus. Crois au Seigneur Jésus. And you will be saved. Et tu seras sauvé. And what? How do you believe in et Jesus? Et comment est-ce qu'on croit au Seigneur Jésus? You believe that He died for you. Tu crois qu'il est mort pour toi? He suffered for you. Qu'il a souffert pour toi? He was wounded for you. Qu'il a été blessé pour he toi? He paid the price for qu'il you. Qu'il a payé le prix pour toi? And when you do that, et quand tu le fais? You believe. Tu crois. It is your sin. C'est ton péché. That took Jesus to the cross. Que c'est ton péché qui a amené Jésus à la croix. When you have done that. Quand tu l'as fait. You ask him to forgive you your sin. Tu lui demandes de pardonner tes péchés. He will forgive you. Il va te pardonner. He will forgive il you. Va te pardonner. And you abandon your sin. Et tu abandonnes tes péchés. You abandon your sin. Tu abandonnes tes péchés. That's what repentance is. C'est ça la repentance. I ask him to forgive tu me. Lui demandes de te I pardonner. Abandon the sin. Et tu abandonnes tes péchés. And I decide. Et tu décides. I will start living for him. Que tu vas commencer à vivre from pour lui. Today. À partir d'aujourd'hui. I will live for him. Tu vivras pour lui. I will live for tu him. Tu vivras pour lui. I will live for tu him. Tu vivras pour lui. When you do that. Quand tu le fais. When you do that. Quand tu le fais. Resurrection starts in la your résurrection life. Commence dans ta vie. For Jesus. Car Jésus, the resurrection, la résurrection and the life et la vie will come to stay in va you. Venir demeurer en come toi. To stay il va venir demeurer come en toi. To stay il va venir demeurer come en to toi. Stay il you. Va venir demeurer let's en toi. Clap to the Lord acclamons Jesus. Acclamons pour le Seigneur Jésus. They were in prison. Ils étaient en prison. They prayed. Ils ont prié. God intervened. Et Dieu a intervenu. God intervened. Dieu a intervenu. Today, ce soir, you can pray. Tu peux prier. God will intervene. Et Dieu va intervenir. God will intervene. Dieu va intervenir. Tonight, ce soir, we can pray for you. Nous pouvons prier pour toi. And God will intervene for your life. Et Dieu va intervenir dans ta vie. Tonight, ce soir. Tonight, ce soir, light can shine around you again. La lumière peut briller autour de toi. Tonight, ce soir, you can believe in the Lord Jesus. Tu peux croire au Seigneur Jésus. And you will be saved. Et tu seras sauvé. And you will take salvation. Et tu prendras le salut. To your family. Et amèneras le salut à ta famille. Tonight, ce soir. You don't need to remain in prison. Tu n'as pas besoin de rester en prison. You don't need to remain in prison. Tu n'as pas besoin de rester en prison. Like the other prisoners. Comme les autres prisonniers. You can do. Tu peux faire.
like the warder. Comme le gardien de prison. What can I do to be que saved? Dois-je faire pour être sauvé? Believe in the Lord Jesus. Crois au Seigneur Jésus. Believe he died for you. Crois qu'il est mort abandon pour toi. Abandon your sin. Abandonne tes péchés. Turn your back to your sin. Détourne-toi de tes péchés. Turn your back to the devil. Tourne le dos au diable. Turn to Jesus. Tourne-toi vers Jésus. Turn to Jesus. Tourne-toi vers Jésus. Turn to Jesus. Tourne-toi vers Jésus. He will save you. Il te sauvera. From the power of sin. De la puissance du péché. And all the strongholds. Et de toutes les forteresses. In your life. Dans ta vie. Will be broken. Elles seront brisées. This night. Ce soir. Is your resurrection night. C'est ta nuit de résurrection. This night. Ce soir. Is your salvation night. C'est ta nuit de salut. It's a night of your forgiveness. C'est la nuit pour ton pardon. Your deliverance from sin. La nuit de la délivrance de ton péché. C'est la nuit. For the power of the enemy over your life to be broken. Pour que la puissance de l'ennemi sur ta vie soit brisée. It's a night. C'est une nuit. For Jesus. Pour que Jésus. To take over your life. Prenne contrôle de ta vie. And from that day. Et à partir de ce soir. Satan will have no power over your life. Satan n'aura plus de puissance sur ta vie. We want to do what Paul and Silas did. Nous voulons faire ce que Paul et Silas ont fait. Pray for people. Prier pour les gens. Who take side with Jesus. Qui prennent position avec Jésus. Surrendering their life to Jesus. Qui abandonnent leur vie à Jésus. Listen. Écoute. Right now. Maintenant même. Something can take place in your quelque life. Quelque chose peut se produire dans ta vie. And if you want this night. Et si tu veux que cette nuit. To give your life to Jesus. Tu veux cette nuit donner ta vie à Jésus. To come to Jesus. Tu veux venir à Jésus. To believe in the Lord Jesus. Tu veux croire au Seigneur Jésus. For your salvation. Pour ton salut. Put up your hand. Lève la main. God bless you. Que Dieu te bénisse. God bless you. Que Dieu vous 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 bénisse. Please, there are so many of you. Stand. Just stand Dieu where you are rapidly. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout là. Come, stand, stand and come rapidly. Levez-vous. Venez avancez. Clap, clap to the Lord venez, as they come. Venez vers les let's rejoice as they come. Venez, venez, come, venez. Come, come. Réjouissons-nous pendant please, qu'ils come, viennent. Come. Avancez, avancez vers les strades. Rapidly, rapidly. Venez, venez rapidement. Rapidly. Venez rapidement. Tonight. Montez, montez. It's your salvation. Night. Ce soir, c'est la nuit de ton salut. It's your salvation c'est la night. Nuit de ton salut. Oh, it's your salvation c'est night. C'est la nuit de ton salut. The heaven is dancing. Le ciel est en train de danser. Because hell has lost in your life. Parce que l'enfer a perdu dans ta vie. The heaven is dancing. Le ciel danse. Because a violent earthquake. Parce qu'il y a eu un violent set you free. Qui t'a libéré. The heaven is dancing. Le ciel danse. Because Satan will have no more power parce over que Satan n'aura plus de puissance sur ta vie. The heaven is dancing. Le ciel danse. The heaven is dancing. Le ciel danse. Come, come. Rapidly. Venez, venez, venez please rapidement. Clap to the Lord as they come. Venez, let's truly rejoice. Seigneur, let's rejoice. Let's rejoice. Réjouissons-nous. Hallelujah. Come, come, come. Qui viennent, venez, please, venez, venez. Don't wait. Don't waste any time. Ne perdez pas le temps. This night, cette nuit, God has done it already. Dieu l'a déjà fait. There is an earthquake. Il y a eu un tremblement de terre. And the prison door is open. Et la prison, la porte the de la prison door is open. La porte de la prison était ouverte. Come, come out of that prison. Venez, venez, sortez de cette prison. The prison of sin. La prison du péché. The prison of alcohol. La prison de l'alcool. The prison of immorality. La prison de l'immoralité. The prison of sicknesses. La prison de la maladie. The prison of witchcraft. La prison de la sorcellerie. Please come rapidly. Venez rapidement. From behind, come, come. De derrière please, là-bas, venez. Just come up, vous come, qui êtes au fond là-bas, venez, venez, oh, venez. Brethren, let's clap to the Lord. Oh, acclamons au Seigneur. The prison door is open. Les portes de la prison the prison door is open. Les portes de la prison don't stay inside. Ne reste pas à l'intérieur. Don't stay inside. Ne reste pas à l'intérieur. Don't stay inside. Ne reste pas à l'intérieur. Come. Viens. Come out of the prison. Sors de la prison. Come out of the prison. Sors de la prison. Come, come, come. Viens, viens, viens. Come, viens. Come. Venez, venez, venez. Come out of prison. Sortez de la prison. Lord, we worship you. Oh Seigneur, nous t'adorons. Lord, we worship you. Seigneur, nous t'adorons. For the prison door is open. Parce que les portes de la prison for sont ouvertes. For the prison door is open. Les portes de la prison if you sont ouvertes. Stay inside the prison, si tu restes à l'intérieur, it is because you want. C'est parce que tu le veux. It's because you want. C'est parce que tu veux rester. It's because you want to stay. C'est parce que tu veux rester là-bas. The door is open. La porte est ouverte. Come, come. Sors, sors, please sors. Come rapidly. Viens rapidement. Come rapidly. Viens rapidement. The prison door is open. Les portes de la prison sont ouvertes. The prison door is open. Les portes de la prison sont ouvertes. Oh, the prison door is oh, open. Oh, les portes de la prison sont ouvertes. The earthquake has taken place. Le tremblement de terre s'est produit. The earthquake has taken place. Le tremblement de terre s'est produit. Heaven has come down to help you. Le ciel est venu t'aider. The prison door is open. Les portes de la prison sont please, ouvertes. Please come, come, come. Venez, venez les amis, venez, venez. The
Please, don't waste time. Oh, ne perdez pas le temps. Don't give the devil any chance in your ne life. Ne donnez pas une opportunité au diable dans ta vie. The prison door is open. Les portes de la prison sont ouvertes. Don't stay inside again. Ne restez pas à l'intérieur. Don't stay inside again. Ne restez pas à l'intérieur. Everybody's chain was broken. Toutes les chaînes de tout le monde ont été brisées. Your chain is broken. Tes chaînes ont été brisées. Your chain is broken. Tes chaînes ont été brisées. And the foundation. Et les fondements. That ancestral foundation. Les fondements ancestraux. That kept you in captivity. Qui t'avait gardé captif. Is shaken. Ont été ébranlés. Is shaken. Ébranlés. Don't stay inside. Ne reste pas à l'intérieur. So that the devil. De sorte que le diable. Start reinforce building the foundation again. Commence à renforcer cette fondation. Please come. Viens. No, there's some people. Il y a encore des personnes. Please come rapidly. Venez. Oh, the prison warder. Oh, le gardien de prison. He came out. Il est sorti. He came out. Il est sorti. And he asked. Et il a demandé. What must I do to be saved? Que dois-je faire pour être sauvé? The prisoners remain. Les prisonniers étaient là. And he came out. Et lui, il est sorti. He came out. Il est sorti. He came out. Il est sorti. Don't continue to be in that prison. Ne continue pas à demeurer dans cette prison. Please come and read for us 2 Corinthians chapter 3. Bien lire pour nous chapter 4 verse 3 and 4. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 3 à 4. Rapidly. Rapidement. Please listen. Écoutez attentivement. Because the enemy is keeping some people here. Parce que l'ennemi tient certaines personnes ici. The enemy still wants you to remain there. L'ennemi veut que tu restes encore là-bas. 2 Corinthians chapter 4 verse 3 and 4. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 3 à 4. And as they are reading, please continue to come. Et pendant qu'on est en train de lire, venez s'il vous plaît, venez. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 et 4. Si notre évangile est encore voilé, if our gospel is veiled, continue. Il est voilé pour ceux qui périssent. It is veiled to those who are perishing. Pour les incrédules, the unbelievers, those who don't believe, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, the devil has blinded their eyes, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Are you one of those that the devil has blinded your eyes? Es-tu l'une de ces personnes dont le diable a aveuglé les yeux? If our gospel is veiled. Il dit si notre évangile est voilé. If it is veiled. S'il est voilé. Those who are perishing. Ceux qui périssent. Satan put a veil over your Satan eyes. Satan met un voile sur leurs yeux. If you are a believer, put up your hand. Si tu es un croyant, lève la main. Let's tear the veil. Déchirons le voile. Let's tear the veil. Déchirons le voile. And release. Et libérons. There are people here. Il y a des personnes ici. The prison door is open. La porte de la prison est ouverte. And they still want to sit down. Mais ils veulent Let's tear the veil. Déchirons Let's le voile. Pray. Déchirons le In voile. The name of Jesus. Au nom de Jésus. We tear the veil. Déchirons le voile. We tear the veil. Déchirons le voile. We tear the veil. Déchirons le voile. You who is perishing. Toi qui es en train de périr. We tear the veil. Déchirons le voile. We tear the veil. Déchirons le voile. And we command you. Et nous te commandons. To see. De voir. And to come. Et de venir. Please come. Viens s'il te plaît. Don't give chance rakasi namahosheka. There are not less than 30 people still sitting. Il n'y a pas moins de 30 personnes qui sont encore assises. There are not less than 30 people. Il n'y a pas moins de 30 personnes encore assises. Some are deceiving themselves that Certains they are se trompent. Qu'elles sont déjà sauvées. But they are still in the prison. Alors qu'elles sont encore en prison. They are still alcoholics. Elles sont encore alcooliques. Drugs. Consommant des drogues. They are still in witchcraft. Encore dans la sorcellerie. Please just come rapidly. Lève-toi et viens rapidement. Come rapidly. Lève-toi et viens rapidement. There are people behind there. Il y a des personnes loin là-bas derrière. You ought to be here. Vous êtes censé être ici.
Because we really want to pray for people Parce this night. Parce que nous voulons vraiment prier pour les gens ce soir. We don't want to waste time pleading with you. On ne veut pas passer le temps à plaider avec toi. À te supplier. The prison door is open. La porte de la prison est ouverte. What are you doing inside? Et qu'est-ce que tu es en train de faire à l'intérieur? The opportunity is given to you. L'opportunité t'est donnée. For freedom. Pour que tu sois libéré. Why do you want to remain in bondage? Pourquoi veux-tu rester dans les liens? Clap to the Lord as he comes. Acclamez le Seigneur Please, pendant qu'il vient. Please, others come. Bien. The prison door is open. Les portes de la prison sont ouvertes. What are you doing inside? Qu'est-ce que tu fais à l'intérieur? The prison door is open. Les portes de la prison sont ouvertes. The opportunity is given to you. L'opportunité t'est donnée. Why do you want to remain? Pourquoi veux-tu rester en prison? The door is open. La porte est ouverte. The chain is broken over Les your hand. Les chaînes sur tes mains sont brisées. Why do you want to remain? Mais pourquoi veux-tu rester? So that the devil come and put the chain again. Pour que l'ennemi revienne mettre à nouveau les liens. The chain is broken. Les chaînes ont été brisées. The chain is broken. Les chaînes ont été brisées. Come and know permanent salvation. Viens recevoir le salut permanent. Come and know permanent salvation. Viens recevoir le salut permanent. Let the enemy not put the chain over your hand on que your hand again. L'ennemi ne mette plus les chaînes à nouveau sur ta vie. The chain is broken. Les chaînes ont été brisées. The door is open. Les portes sont ouvertes. The foundation is shaken. Les fondations ont été branlées. Don't remain inside. Ne reste pas à l'intérieur. Then very soon, et bientôt, the devil will come and close the door again. Le diable viendra à nouveau fermer les portes. No, there's still some. Il y a encore certaines personnes. Il y a encore certaines personnes. Please come. Venez. The word is to you. Cette parole s'adresse à vous. That tonight is your resurrection night. C'est votre nuit de résurrection. Please come. Viens. Tonight. Cette nuit. Is your resurrection night. C'est ta nuit de résurrection. It will not be long before this crusade will end. Très bientôt cette croisade va finir. But God has given to you an opportunity. Mais Dieu t'a donné une opportunité. God has given to you an opportunity. Dieu t'a donné une opportunité. Please come. Viens s'il te plaît. God has given to you an opportunity. Dieu t'a donné une opportunité. Come. Viens. Come. Viens. Come. Viens. Tomorrow may be too late. Demain pourrait être trop tard. Because the devil, parce que le diable, the devil, le diable, is waiting, attend, to put that chain again, pour remettre ses chaînes. The devil is waiting, le diable attend, to put that chain again, pour remettre ses chaînes. There are still more than 20 people sitting. Il y a encore plus de 20 personnes qui sont assises. There are still more than 20 people sitting. Il y a encore plus de 20 personnes qui sont assises. Please come. Viens s'il te plaît. So you don't miss the opportunity. Pour que tu ne rates pas l'opportunité. Come. Viens. The door is open. La porte est ouverte. It will not remain open forever. Elle ne restera pas ouverte pour toujours. The enemy is willing. L'ennemi veut. Waiting. L'ennemi attend. To close it again. De fermer à nouveau. Please come, come. Lève-toi et viens. There are people behind there. Il y a des personnes loin là-bas derrière. The distance is never too long to come to God. La distance pour venir à Dieu n'est jamais trop longue. It's a night of cleansing. C'est la nuit pour ta purification. We will soon stop. On va bientôt arrêter. But painfully. Mais avec douleur. You will be the loser. C'est toi qui seras le perdant. Don't let the devil close the door. Ne laisse pas que le diable vienne à nouveau fermer la porte. Don't let the devil close the door again. Ne laisse pas que le diable vienne à nouveau fermer la porte. If you are doubting whether you are saved or not, then you are not saved. Si tu es en train de douter, est-ce que je suis sauvé ou pas, alors tu n'es pas encore sauvé. Then you are not saved. Tu n'es pas sauvé. It's because of sin. C'est à cause du péché. Sin. Le péché. That's the reason. C'est ça la raison. That's the prison in which you are. C'est la prison dans laquelle tu te trouves. If you are doubting, si tu es en train de douter, whether you are saved or not, then you are not saved. Si tu es sauvé ou pas, tu n'es pas sauvé. In salvation, dans le salut, you come to take shelter. Tu viens te réfugier under the wings of the Lord. Sous les ailes du Seigneur.
There are still around 15 people sitting. Il y a encore plus de 15 personnes assises. There are still around 15 people, please. Come. Venez. Come. Venez. Come. Venez. There are still around 15 people. Il y a encore environ 15 personnes assises. Come. Yes, venez, come. Venez. Oui, venez. Venez. There are still some 10 people sitting. Il y a encore une dizaine de personnes assises. Please come. Venez. When the Savior comes, quand le Sauveur vient, and say, "Here I am," et il dit, "Me voici," I have come to rescue you. Je suis venu te sauver. And the devil says, et le diable dit, "Here I am." Me voici. I have come to destroy you. Je suis venu te détruire. Why do you want to stay with the devil? Pourquoi veux-tu rester avec le diable? If you are a backslider, si tu es un rétrograde, you gave your life to Jesus, tu as donné ta vie à Jésus, the enemy caught you, l'ennemi t'a attrapé, you fell, et tu es tombé, you were trapped by the enemy, tu étais piégé par l'ennemi, you were trapped by the enemy, tu étais piégé par l'ennemi, and now you are in the hand of the enemy, et maintenant tu es dans les mains de l'ennemi, the enemy put the chain again, l'ennemi a nouveau mis les chaînes. You are a backslider. Tu es un rétrograde. Please stand and join them before we pray. Lève-toi et viens te joindre à ceux-ci. This is the greatest opportunity for you. C'est la plus grande opportunité. If you are a backslider, please come rapidly. Si tu es un rétrograde, lève-toi et reviens. Backslider, come. Que les rétrogrades viennent. Backsliders, come. Que les rétrogrades viennent. Backsliders, come. Que les rétrogrades viennent. Let's rejoice. Réjouissons-nous. Let's rejoice as they come. Réjouissons-nous pendant qu'ils reviennent. Let's rejoice. Réjouissons-nous. The father of the prodigal son rejoice. Le père du fils prodigue se réjouit. Please come. Come rapidly, backsliders, venez, come. Tous ceux qui avaient rétrogradé reviennent. Come. Venez. Backsliders, come. Que les rétrogrades viennent. Backsliders, come. Que les rétrogrades viennent. If I had my way, I would come and carry you where you are. Oh, si j'avais moyen, je devais venir. But I can't do that. Mais je peux pas. Please, just come rapidly. S'il te plaît, lève-toi et viens rapidement. Come. Viens. Clap to the Lord as they come. Acclamez pour le Seigneur pendant qu'ils viennent. Clap to the Lord as they come. Acclamez pour le Seigneur. Clap to the Lord as they come. Acclamez pour le Seigneur pendant qu'ils viennent. Tell the devil, dis au diable, I go back to my father. Je retourne à mon père. I go back to my father. Je retourne à mon père. I go back to my father. Je retourne à mon père. I go back to my father. Je retourne à mon père. I fell down. Je suis tombé. But I rise again. Mais je me lève. Oh, God bless you. Come. Que Dieu te bénisse. Your life will never be the same. Please come. Venez. Come. Venez. Come. Oh, Rakase. Let's pray in tongues and release them. Let's pray and release them. Let's pray and release these children of God. These children. Please, let's pray. Prions pour les libérer. Prions pour les libérer. Yes, in the name of Jesus, we release you where you are. Nous te libérons là où tu te trouves. We release you where you are. Nous te libérons là où tu te trouves. Please come. Viens. Please come. Viens. Come. Viens. Don't go back this night. Ne rentre pas cette nuit. And feeling bad. Te sentant mal. That the opportunity was given to you. Regrettant le fait que l'opportunité t'a été donnée. Ask yourself. Demande-toi toi-même. If these people can come. Si ces personnes peuvent venir. Why not you? Pourquoi pas moi? Why not you? Pourquoi pas moi? Why will it be you? Pourquoi est-ce que ce serait toi? Why will it be you? Pourquoi est-ce que ce serait toi? Who remain down? Qui reste assis? Why will it be you? Pourquoi est-ce que ce serait toi? Why will it be you? Pourquoi est-ce que ce serait toi? You would have given an opportunity to your family. Donné une opportunité à ta famille. Salvation for your open door to your family. Ouvrir les portes. Why will it be you sitting down? Pourquoi est-ce que tu dois rester assis? Why will it be you? Pourquoi est-ce que tu dois rester assis? Why will it be you? Pourquoi est-ce que tu dois rester assis? Why will it be you? Pourquoi est-ce que c'est toi qui dois rester assis? Why must it be you? Pourquoi est-ce que c'est toi qui dois rester assis? We give opportunity to those three people. Nous donnons l'opportunité à ces trois personnes. Please come rapidly. Venez rapidement. And then we shall pray. Et nous allons prier. We give opportunity to those three people. Nous donnons l'opportunité à trois personnes. Come and take shelter. Viens te réfugier. Under the wings of your father. Sous les ailes de ton père. Come and take shelter. Viens te réfugier. To this one who loves you. À celui-ci qui t'a aimé. Two more. Que deux autres viennent. Please rapidly come. Venez rapidement.
Why are we insisting? Pourquoi est-ce que nous sommes en train d'insister? Because Jesus loves you, Parce que Jésus t'aime. We love you. Et nous aussi nous t'aimons. We don't want you to go back. Nous ne voulons pas que tu rentres. And continue in that prison. Et que tu continues dans cette prison. And continue in that prison. Et continue dans cette prison. And continue in that prison. Et continue dans cette prison. We don't want you to give an opportunity. Nous ne voulons pas que tu donnes une opportunité to the devil au diable to put the chain on you pour again. Remettre à nouveau les chaînes sur toi. Please come. Lève-toi et viens. Come, come, come. Viens, 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 viens. Come, come. Viens. Tell the devil. Dis au diable. It is not me who remain behind. Ce n'est pas moi qui vais rester derrière. It's not me who remain behind. Ce n'est pas moi qui vais rester derrière. It's not me. Ce n'est pas moi. Who will carry the curse of this town? Qui va porter la malédiction de cette ville? I remain in unbelief. Et rester non croyant. There's somebody whose heart is pumping. Il y a quelqu'un dont le cœur bat. And you feel that, what will people say if you start coming? Please come rapidly as we pray. Et tu te demandes qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Viens rapidement. It doesn't matter. Ça ne compte pas. There's somebody who needs to come. Il y a quelqu'un qui doit venir. There's somebody who need to come. Il y a quelqu'un qui doit venir. Someone who need to come. Quelqu'un qui doit venir. Bow down your head for 1 minute. Baissez la tête pour 1 minute. Jesus is standing by your side right now. Jésus est à côté de toi en ce moment. He is by your side right now. Il est à côté de toi en ce moment. He is by your side right now. Il est à côté de toi en ce moment. Tell him, Lord. Dis-lui, Seigneur. I have come. Je suis venu. 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 The door is open. Dis au Seigneur, la porte est ouverte. The prison door is open. La porte de la prison est ouverte. I come out of it now. Je suis sorti. Je sors de là maintenant. Lift up your right hand to the Lord. Lève la main droite au Seigneur. Say, Lord Jesus. Dis à haute voix, Seigneur Jésus. I come to you. Je viens à toi. Because you died for me. Parce que tu es mort pour moi. Right now. Maintenant même. I come out of the prison of sin. Je sors de la prison du péché. Right now. Maintenant même. I abandon the devil. J'abandonne le diable. And I come to you. Et je viens à toi. I come to you. Je viens à toi. I beg you. Je te supplie. To accept me. De m'accepter. I have decided. J'ai décidé. To abandon all my sins. D'abandonner tous mes péchés. Take my life. Prends ma vie. And be my Lord. Et sois mon Seigneur. And my master. Et mon maître. From today. À partir de ce jour. Oh, clap to the Lord. Clap. Acclamez pour le Seigneur. Acclamez. You have now come to Jesus. Tu es maintenant venu à Jésus. Somebody is going to have some few minutes with you. Quelqu'un va avoir quelques minutes avec toi. Then you shall come. Et tu vas revenir. Then we shall pray. Nous allons prier. That what God has started in your life, pour que ce que Dieu a commencé dans ta vie, il achève. We shall pray. For your total freedom. Pour votre libération totale. Who was healed yesterday and he want to testify? Qui a été guéri hier et il veut témoigner? Put up your hand. Lève la main. One of the way to keep converts. L'une des manières pour nous de garder les convertis is thanking God for them. C'est en remerciant Dieu pour eux.
Gratitude to God for every soul saved, it tells God that you value them. La gratitude qu'on rend à Dieu pour chaque âme qui a été sauvée dit à Dieu que nous leur accordons de la valeur. You thank God for them. Tu remercies Dieu pour eux. Then you pray for them. Et tu pries pour eux. Then you love them. Ensuite, on les aime. Nobody will stay where he is not loved. Personne là où on ne l'aime pas. Where he is not valued. Là où on ne lui accorde pas de la valeur. Who want to give a testimony? Put up your hand. Qui veut donner un témoignage? Lève la main si tu veux rendre témoignage. Just go straight to the point. Allez droit au point. If you do it exactement. In a minute, many more people will testify. Si vous parlez directement, ça va permettre que d'autres personnes témoignent. Donc, gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Je veux bénir le nom de l'Éternel de ce qu'il a fait. Ce qu'il m'a visité. Depuis que je suis venu sur la croix, là, je suis venu avec une douleur intense. Depuis autour de 2 ans, j'avais une douleur au côté de ma hanche droite. Parfois, je donnais le sujet à mon âme, on a samé qu'on prie pour moi. Depuis qu'on a fait mon brisement de lien, le même jour, j'ai été visité. On a fini mon brisement à 5 heures, je suis rentré à la maison. J'étais en train de tresser l'enfant. J'étais debout en train de faire les tresses. Directement, j'ai senti un bruit. Pouf! Je suis allée entrer aux toilettes, j'ai regardé. C'était une boule de glaire, mêlée de pu, qui sont sorties. Je me suis notée, je m'ai appelé l'enfant que viens voir ce qui est sorti. Elle est venue voir ce que c'est ta délivrance. Bon, je me suis notée, je suis allée continuer à faire les tresses. Bon, durant toute la nuit, j'étais en travail, la douleur comme une femme qui est en travail. Et quand je partais aux toilettes, ce sont les boules, une tranche, qui sortait comme les chairs humaines, je ne sais pas. Les chairs me lavent le sang. Chaque bouton, ça sautait en tranches. C'est comme si c'était rangé en rang. Ça sautait en tranches. Quand une tranche sort, l'autre prend place. Après, ça sort, ça prend place. Jusqu'à cela, était sorti tout. Donc, la douleur est partie. Jusqu'à aujourd'hui, donc je peux tourner. Avant, je ne pouvais pas me baisser. Les clap. Acclamez pour le Seigneur. À Dieu. Amen. C'est merveilleux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je viens ce soir bénir Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Après mon brisement hier matin, le soir quand Papa Boniface prêchait ici, pour le mal, que chacun met la main pour son mal. Bon, quand il priait, j'ai senti comment je voulais faire les selles. Je voulais faire les selles. Donc ça faisait tout comme je voulais faire les selles. Après un moment, ça s'est arrêté. La voix de. Maintenant, quand je rentre à la maison, après la prière, quand papa a dit, le Saint-Esprit continue à travailler, que le Saint-Esprit continue à agir, le Saint-Esprit va continuer le travail. Quand j'arrive à la maison, le livre que papa m'a donné de prier, après, quand on nous a reçus au bureau, je lisais, j'étais en méditation. Tout d'un coup, l'Esprit me dit, est-ce qu'on parle encore à tes oreilles? Tu n'as pas remarqué qu'on ne parle plus à tes oreilles? C'est là la voix qui parlait chaque fois à mes oreilles. Je n'ai plus ressenti la voix. Alléluia. La voix là est partie. Alléluia. Amen. Je viens bénir l'Éternel parce Alléluia. Que cela. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je suis le frère Thomas. On a fait mon brisement de lien ce matin. Donc c'était à 5 heures. Pendant le jeûne, le premier jour, je sentais mal au niveau des épaules. Jusqu'à au niveau du ventre. Le deuxième jour, c'était la même chose. Arriver ici pour la croisade, même, c'était pas facile. Le troisième jour, hier, je suis venu à la croisade. J'étais assis quelque part. Pendant l'adoration, je voulais me lever pour danser, mais ça ne donnait pas. Je sentais tellement mal. Mes bras même ne bougeaient pas. Maintenant, pendant le brisement du lien, on avait lu les fiches. On a prié sur ça. Maintenant, à l'heure où le frère qui est en train de me conduire pour briser mon lien, il voulait s'élever pour embosser sa main sur ma tête. Il y a quelque chose qui est descendu sur moi comme étant une pluie ou quoi.
Et je lançais à prier en langue. Mais avant, je ne connaissais pas comment prier en langue. Mais je lançais seulement à prier en langue. Et subitement, je suis tombé. Il s'est levé, il a déposé sa main sur moi. Et je suis tombé. J'ai vu trois personnes venant du plancher. Comme on était là-bas en bas, venant du plancher en haut. Trois personnes habillées en blanc. L'autre m'a touché au niveau du pied. L'autre m'a touché au niveau du ventre. Et l'autre m'a touché au niveau de la tête. Maintenant, gloire à Dieu. Et là, comme je suis au sol, les frères qui me conduisaient, ils m'ont arrêté les deux mains. Et les autres frères qui étaient aussi à côté d'eux, il y avait quatre frères qui ont venu, qui m'ont arrêté, qui m'ont allongé sur une chaise. Maintenant, j'étais allongé. Quelque chose est sorti de mon corps, c'est comme un esprit. Mais ce n'était pas un esprit. À partir de ça, c'est un homme. Mais ici en haut, c'est une autre chose, avec deux cornes à la tête. Gloire à Dieu. Deux cornes à la tête. Et il s'est levé, il est parti, il s'est bloqué quelque part au niveau du plancher, au là-bas, en bas. Il s'est branché. J'ai regardé. Après, il m'a regardé comme ça, il est disparu. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Ok. No, give to the next person. Après cela, tous mes muscles qui ne bougeaient pas, c'est parti. Alléluia. Amen. 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 Acclamons pour le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Soyez bref. Moi, c'est la sœur Ina Yolande. Il y a de cela deux jours, j'avais un fort palu. Et hier, quand le frère Boniface priait pour les malades, il a dit que d'autres vont constater leur guérison maintenant et d'autres vont constater même le matin. Et hier, quand on priait, le palu baissait. Mais je voulais être certaine avant de venir témoigner. J'ai dit à Dieu que Seigneur, s'il te plaît, le matin, quand je vais me lever, je vais être totalement guérie afin de venir témoigner. Et depuis le matin jusqu'à maintenant, je suis en pleine forme. Le Seigneur m'a guérie. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je suis la sœur Ngombele Esther. Depuis le mois de mai, j'ai le problème d'estomac. L'estomac me fait mal. Je connais soigner l'estomac. J'ai essayé de soigner sa main. Depuis que la croisade. Que personne ne s'ajoute plus au rang. Et depuis la croisade. Ça a même commencé à faire mal, comme si je peux aller à l'hôpital. Hier, quand on priait ici, le frère Meunier a dit que qu'on accélère la prière. Priez. Je disais à mon père que papa, s'il te plaît, il ne faut pas que la croisade s'y finisse, que je rentre avec cette douleur. C'est comme ça que dans la prière, j'ai eu la guérison. Amen. Je ne sens plus mal. Gloire à Dieu. J'ai encore un autre témoignage où j'avais besoin de donner un don à une sœur. Mais je n'avais pas l'argent. J'ai accepté de le faire. Hier, quand on priait ici, j'ai dit à mon père que papa, je t'avais promis que je ne prête plus l'argent à quelqu'un, pour voir moi, touche le cœur de quelqu'un qui peut m'aider. Je vous dis franchement que arrivé à la maison le soir, en regardant mon téléphone pour charger ça, j'ai trouvé que j'ai eu un dépôt de 10 000 francs. Alléluia! Acclamation pour le Seigneur. Et j'ai fait cette don à cette sœur-là aujourd'hui. Gloire à Dieu! Amen! Gloire à Dieu. Amen. Je suis la sœur Ruth de la chorale. Bon, il y a de cela deux mois que notre patron n'arrive pas à nous payer en fait. Et j'ai commencé la campagne ici dimanche. Quand le frère Meunier priait sur les esprits de mort de serpents, je me suis mise à bailler, je baillais tellement. Et j'ai eu des picotements un peu sur le corps et mon ventre est resté ballonné jusqu'à lundi. J'ai donc vu un frère, je lui ai demandé si je peux faire le brisement des liens. Il m'a dit
que tu veux faire le brisement des liens, tu dois prendre un jeûne de 3 jours. C'est comme ça que mardi, je suis entrée dans le jeûne. Et hier, on m'a fait le brisement des liens. Ce matin, quand je rentrais, j'étais tellement fatiguée, j'avais mal. J'avais envie de vomir, mais je ne sais pas, ça ne sortait pas. Quand je suis arrivée à la maison, je suis allée aux toilettes. Ce qui est sorti vraiment de mon corps, je n'avais jamais vu ça. Je ne pouvais pas imaginer que ça pouvait sortir. Quand j'ai vu ça, j'ai juste résumé en disant que ça, c'est ma part de délivrance. Alléluia. Le Seigneur Jésus m'a guéri. Amen. 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 Également, j'étais fatiguée. J'étais fatiguée. Je ne pouvais même pas me lever. J'ai appelé mon patron pour lui dire que pardon, je ne serai pas là aujourd'hui parce que je suis fatiguée, j'ai tellement mal au ventre. Il me dit, ah bon, donc tu m'appelles pour me dire que tu ne peux pas venir au travail parce que tu as mal au ventre. Il me dit que viens me dire ça ici au bureau. Je lui ai dit, ok monsieur, je vais venir. Dès que mon ventre se calme, je vais me préparer pour venir. Je suis arrivée là-bas aux environs de 13h moins. Quand j'arrive, je monte à l'entreprise, je nettoie tout. À 15h, lui, il est monté au bureau. Il me demande. Il faut. À 15h, quand il monte au bureau, il me demande que, mais quand tu as nettoyé, si tu n'as pas vu l'argent, je lui ai dit, non, monsieur. Il m'a dit que, donc tu as nettoyé, si tu n'as pas vu l'argent. Il dit que, non, monsieur, j'ai nettoyé partout, je n'ai pas vu l'argent. C'est comme ça que il a déposé l'argent là sur la table. Il m'a dit que, voilà ton salaire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Moi, c'est la sœur Etame Emmanuela. Bon, moi, je suis née, j'avais les hémorroïdes. Donc, j'ai grandi avec. À un certain moment, je ne ressentais plus et je savais que j'étais guérie. Sauf qu'une semaine avant la croisade, j'ai commencé à avoir mal au ventre. Et quand je veux aller au sel, je ne parviens pas. Je sens tellement mal. Et j'avais pris un jeûne de 3 jours, lundi, mardi, mercredi, pour faire le brisement. Je n'ai pas mangé. Et même dimanche, je n'avais pas mangé. J'avais fait 4 jours de jeûne sans manger. J'arrive donc mercredi. Oui, mercredi, donc j'ai envie d'aller. Je ressens que j'ai envie d'aller aux toilettes. Et quand j'arrive, je sens tellement mal. Je ne parviens pas à me soulager. Subitement, le sang. Et là, on me dit que, hey, encore les hémorroïdes. C'est pour ça que je suis retournée à la salle. Donc, hier. Yeah! Quand le papa Boniface était en train de prier, il a dit que tous ceux qui ont les hémorroïdes, quand il a commencé à prier, j'ai commencé à prier, j'ai ressenti une forte douleur au niveau du ventre. J'ai continué de prier. Il a dit que certains vont expérimenter leur guérison, même à la maison. Donc, je suis donc arrivée à la maison, j'ai eu le besoin d'aller aux toilettes. J'ai dit que non, je ne vais pas partir parce que j'ai peur, je sens mal. J'ai dormi le matin, j'ai encore ressenti, j'ai dit que non. Je crois que Dieu m'a guéri, je vais aller. Je suis allée aux toilettes, j'ai fait les selles sans problème, c'est sorti liquide et gloire je n'ai Dieu. Pas eu mal. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bon, je ne me rappelle plus trop du jour de ma délivrance, mais c'était quand on a prié à propos du sang. Des gens qu'on a dû initier par le sang, je ne me rappelle plus trop. Mais le jour-là, j'ai commencé à avoir mal au ventre. On a dit que ceux qui ressentent mal se lèvent. Mais moi, j'ai dit que ah, c'est un petit mal de ventre. J'ai laissé. Je suis rentrée à la maison. Dès que je rentre, j'ouvre la porte, je me couche. Je commence à avoir mal au ventre. Comme si quelque chose marchait dans mon ventre. J'ai commencé à avoir franchement mal. Après le matin, je me suis levée pour aller uriner. Quand je pars pour uriner, je vois que ce sont les boules noires, bien noires, avec la chair humaine et le sang. Qui sortait. Et après, quand ça s'est passé comme ça, le lendemain, je suis revenue. On a prié toujours. Je ne me rappelle plus trop du sujet, mais quand on a prié comme ça, je suis rentrée. Je suis rentrée parce qu'avant, quand j'étais jeune, la première fois que j'ai eu mes premiers rapports sexuels, je n'étais plus vierge. Je ne savais pas comment j'avais fait pour ne plus être vierge. J'étais juste dépassée. Mais c'est comme si j'avais dû avoir les rapports sexuels depuis avec un homme. Bon, bien après, quand j'ai porté la grossesse, j'ai maintenant commencé à avoir les rapports sexuels. C'était avec les femmes. Donc, une femme à deux sexes. Souvent, c'était avec les femmes, souvent, c'était avec les hommes. Du genre que je me voyais même déjà. J'étais à initier. Je voyais souvent, je mangeais la chair humaine. Bon, après, quand ça s'est passé comme ça, parce qu'on a fait mon brisement de lien, après, c'est parti. Quand je suis revenue. On a prié. Le soir, quand je suis rentrée, le même jour quand je suis rentrée,
J'ai fait un rêve que le géant que je voyais souvent dans mes rêves pour me faire les couches de nuit est venu. Il m'a serré. Il me serrait fort. Il voulait ouvrir la porte qu'il a l'habitude d'ouvrir pour me faire les couches de nuit. Il ne parvenait pas. Il me sait, il me sait, il me sait. Et gloire à Dieu, il n'a pas pu, il est parti. Amen. Amen. Gloire Amen. À Dieu. Alléluia. Acclamation pour le Seigneur. Gloire à Dieu. No, let's stand up to pray. Lévons-nous tous ensemble. First of all, lift up your hand and thank God. Premièrement, levez les mains et remerciez Dieu. Brethren, God is in our midst. Frère, Dieu est au milieu de nous. God is in our midst. Dieu est au milieu de God nous. God is in our midst. Dieu est au milieu de Hallelujah. Nous. Hallelujah. Amen. Thank the Lord. Remerciez le Seigneur. Thank God. Thank remerciez God. Thank God. Remerciez le Seigneur. Remerciez le Seigneur. If you know. Look at the number of people who have been healed. Regardez of fibroids. Toutes ces personnes qui sont en train d'être guéries. Fibroids, des fibrons. They have gone. Les fibrons sont partis. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says, la Bible dit, as Paul and Silas were praying, pendant que Paul et Silas priaient, the prisoner was hearing, les prisonniers entendaient, and as they were praying, et pendant qu'ils priaient, there was an earthquake. Il y a eu un tremblement de terre. You are going to put your hand on your tu head, vas poser la main sur la tête, and you are going to pray, et tu vas prier, with all your heart, de tout ton cœur, and pray aloud, et prie à haute voix. Let people hear. Que les gens entendent. You are going to pray. Tu vas prier. Oh Lord. Oh Seigneur. Let that earthquake. Qu'il y ait ce tremblement de terre. Take place in my life now. Que ce tremblement de terre se produise dans ma vie maintenant. Shake. Dans ma vie maintenant. Et ébranle. Every foundation of prison. Tous les fondements de prison. In my life. Dans ma vie. Around me. Autour de moi. And break. Et prie. Every chain. Et brise toute chaîne. In my life. Dans ma vie. We have a very short time to pray. Nous avons très peu de temps pour prier. But we really want to pray. Mais nous voulons prier vraiment. It needs 1 minute of an earthquake. Ça demande and everything about your life will change. 1 minute d'un tremblement de terre et cry out to God that violent earthquake will take place in your life now. Tremblement de terre se to destroy all foundation of prison. Tout to cut off every chain. Pour briser to open chain. Every door. Pour ouvrir toute porte. Pray for yourself. Prie pour toi-même. Pray. An earthquake. Un tremblement de terre. Un tremblement de terre. Pray for an earthquake. Prie pour un tremblement de terre. Pray for an earthquake. Prie pour un tremblement de terre dans ta vie. Lord, move in your power. Oh, Seigneur, agis en puissance. And destroy every prison. Détruis toute prison. Every foundation. Toute fondation. Every foundation. Toute fondation. Every foundation. Toute fondation. Every foundation. Toute fondation. Of prison. De prison. Pray for yourself. Prie pour toi-même. Pray. Yes, in the name of Jesus. Dis au nom de Jésus. We destroy. Au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Dis au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Pray aloud. Prie à haute voix. Say in the name of Jesus. Dis au nom de Jésus. Every foundation, tout fondement, of prison in my de life, prison dans ma vie, where I have been in prison, où j'ai été emprisonné, in the name of Jesus, au nom de Jésus-Christ, I destroy them now. Détruis maintenant. Prêt. Prie.
Listen. Écoute. Say in the name of Jesus. Dis au nom de Jésus-Christ. Every foundation. Que toute fondation. Or prison. De prison. Through my family background. Au travers de mon arrière-plan familial. Every foundation. Toute fondation. That has imprisoned me. Qui m'a emprisonné. Because of my family background. À cause de ma famille. Because of the family I come from. À cause de la famille de laquelle je sors. That has blocked my life. Et qui a bloqué ma vie. I destroy them now. Je les détruis maintenant. Pray for yourself. Prie. Je les détruis maintenant. Je les détruis maintenant. Yes, you are destroyed. Je les détruis maintenant. We destroy the foundation. Nous détruisons les fondations. Yeah, the foundation is destroyed. Nous détruisons les fondations au nom de Jésus-Christ. No, pray for yourself. Oh, prie pour toi-même. Pray for yourself. Continue à prier. Where your life is blocked. Là où ta vie est bloquée. Your life is blocked. Là où ta vie est bloquée. Because of your family. À cause de ta famille. Because of your family. À cause de ta famille. Because of your family. À cause de ta famille. Family bondages. Les liens familiaux. 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 Free yourself now. Libère-toi. Orokobaka kabaka. Bondage because of your family. Free yourself. Libère-toi maintenant. Libère-toi maintenant. From the stronghold. De toute forteresse. From the stronghold. De toute forteresse. Because of your family. Dans ta famille. Because of your family. Libère-toi. The stronghold. Libère-toi. The stronghold. Libère-toi. Because of your family. Libère-toi. The stronghold. Libère-toi. Because of your family. Libère-toi. Free yourself.
grave. Libère-toi des liens familiaux. Libère-toi des liens familiaux. Libère-toi des liens familiaux. Pray for yourself. Pray pour toi-même. The prison. Les prisons. That has kept your family. Qui ont maintenu ta famille. And kept you. Et qui t'ont maintenu. In one place. In one place. Dans ta vie. In one place. Au même endroit. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. We bring you out of that prison. Nous te libérons de cette prison. Come out of the prison. A prison talks of limitation. Les prisons parlent de limitations. Limitation. Les limitations. Limitation. Les limitations. You have stayed on the same spot. Tu es resté au même endroit. You have stayed on the same spot. Tu es resté au même endroit. You can't move ahead. Tu ne peux pas avancer. You can't move ahead. Tu ne peux pas avancer. Lift up your hand. Lève la main. And say in the name of Jesus. Et dis au nom de Jésus Christ. I come out of prison. Je sors de la prison. Say in the name of Jesus. Dis au nom de Jésus Christ. The prison. La prison. Of stagnation. De la stagnation. Of stagnation. Et de la stagnation. Of stagnation. De la stagnation. I free myself. Je me libère. From stagnation. Je sors de la stagnation. From stagnation. Je sors de la 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 stagnation. Je me libère de la prison. De la stagnation. Je me libère de la prison. De la stagnation. Je sors de la prison. De la stagnation. Je sors de la prison. De la stagnation. Come out, come out, come out. Come out, come out, come out. Come out, come out, come out. Come out from prison. Come out from your 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 prison. Sors de la prison. Sors. Sors au nom de Jésus. Sors de la prison. Say in the name of Jesus. Dis au nom de Jésus Christ. All the walls. Tous les murs. That have been built around me. Qui ont été bâtis autour de moi. Built around me. Bâtis autour de moi. To keep me on the same spot. Pour me maintenir au même endroit. To keep me on the same spot. Pour me maintenir au même endroit. I destroy them now. Je les détruis au nom de Jésus. I destroy them now. Je les détruis au nom de Jésus. I destroy them now. Je les détruis au nom de Jésus. Destroy the wall around you. Détruis les murs. Détruis les murs. Destroy the wall around you. Détruis les murs. Destroy the wall around you. 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 Détruis les murs, détruis les murs. Détruis les murs, détruis, détruis, détruis. Détruis les murs, détruis les murs, détruis les murs. The Lord is free you. Le Seigneur 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 te libère. Le Seigneur te libère. Le Seigneur te libère. Le Seigneur te libère.
Come out from prison. Sors de la prison. Come out from the prison stagnation. Sors de la prison. Come out from the prison. Sors de la prison de stagnation. Sors de la prison de stagnation. Au nom de Jésus Christ. Listen. Écoute. Just be quiet. Reste silencieux pour un moment. And all the witchcraft. Et toute la sorcellerie. That were practiced. Qui a été pratiquée. Over you. Sur toi. Over you. Sur toi. Over you. Sur toi. Over you. Sur toi. So that you would never move forward. De telle manière que tu n'avances jamais. In the name of Jesus. Au nom du Seigneur Jésus. Break the witchcraft. All the witchcraft. Toute la sorcellerie. That were practiced over you. Qui a été pratiquée sur toi. That have been practiced over you. Qui a été pratiquée sur toi. Say in the name of Jesus. Dis au nom de Jésus Christ. I destroy. Je détruis tout cela. All the witchcraft. Toute la sorcellerie. That came through food. Qui est venue au travers de la nourriture. That came through food. Au travers de la nourriture. That came through food. Au travers de la nourriture. That I ate. Que j'ai mangé. That I ate. Que j'ai mangé. That I ate. Que j'ai mangé. I destroy the power of my life. Je détruis sa puissance. Pray for yourself. Prie pour toi-même. Continue à prier, continue à prier. Détruis, 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 détruis. Détruis, 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 détruis. Détruis. Yes, witchcraft that came through food. 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 We free you in the name of Jesus. Nous te libérons au nom de Jésus. Nous te libérons au nom de Jésus. Nous te libérons au nom de Jésus. De la sorcellerie venu dans ta vie par la nourriture. Nous te libérons au nom de Jésus. We free you in the name of Jesus. Nous te libérons au nom de Jésus. We free you in the name of Jesus. Nous te libérons au nom de Jésus. Yeah, the Lord is freeing people. Le Seigneur est en train de libérer plusieurs. Le Seigneur est en train de libérer plusieurs. You have been on the same spot. Oh, tu as été au même endroit. Because people invited you for a meal. Les gens t'ont invité pour un repas. And bewitched you. Et ils t'ont ensorcelé. And they bewitched you. Et ils t'ont ensorcelé. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. You are free from their prison. J'ai libéré ce soir. You are free from their prison. J'ai libéré ce soir. You are free from their prison. J'ai libéré ce soir. You are free from their prison. J'ai libéré de ta prison. We're going to lift up your hand again. Lève la main. Any witchcraft, toute sorcellerie, that was practiced over you, qui a été pratiquée sur toi, because of money you received, à cause de l'argent que tu as reçu. People gave you money, on t'a donné de l'argent, and bewitched you, et on t'a ensorcelé. People gave you money, quelqu'un t'a donné de l'argent, and bewitched you, et il t'a ensorcelé. People gave you gifts, quelqu'un t'a donné des dons, and bewitched you, et il t'a ensorcelé. In the name of Jesus, au nom du Seigneur Jésus Christ, we free you. Nous te libérons ce soir. 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 Nous te libérons ce soir. Nous te libérons ce soir. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus. Every demon. Tout démon. That came into you. Qui est entré en to toi. To keep you in the same spot. Pour te maintenir au même endroit. You, pour t'emprisonner. To imprison you. Pour t'emprisonner. To imprison you. Pour t'emprisonner. Because of gifts. À cause des dons. Because of gifts. Des dons. Money you receive. L'argent que tu as money reçu. You receive. L'argent que tu as that reçu. Made you a prisoner. Qui a fait de toi un prisonnier. We free you. Nous te libérons we ce soir. We free you in the name of Jesus. Nous te libérons au nom de Jésus. Free yourself. Libère-toi toi-même. And command the demon. Libère-toi. Commande aux démons de partir. To go. Commande aux démons de partir. Démons sortez. Démons sortez. Démons de sorcellerie sortez. 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 Sors. Sors maintenant. Sors maintenant. Sors maintenant. Live now in the name of Jesus. Sors maintenant au nom de Jésus. Sors maintenant au nom de Jésus. Sors maintenant au nom de Jésus.
Yes, we free you. Oui, nous te libérons. We free you. Nous te libérons. We free you from that prison. We free you from that prison. Nous te libérons. We free you from that prison. Nous te libérons de cette prison. Every gift that you were given. Tout don que tu as reçu, that has kept you on the same spot, et qui t'a maintenu au même endroit, that has kept you on the same spot, qui t'a maintenu au même endroit, gift you were given, les dons que tu as reçu, that brought you poverty, et qui t'ont apporté, that brought you poverty, qui t'ont apporté, we free you in the name of Jesus. Nous te libérons au nom de Jésus Christ. Say in the name of Jesus. Dis au nom de Jésus Christ. I come out of the prison of poverty. Je sors de la prison de pauvreté. Material poverty. La pauvreté matérielle. Material poverty. La pauvreté matérielle. Spiritual poverty. La pauvreté spirituelle. I come out now. Je sors au nom de Jésus. Je sors maintenant. Je sors maintenant. Je sors maintenant. Pray for yourself. Pray. Sors. Lord, move. Sors de la prison. Sors de la prison. Sors de la prison. Sors de la prison de la pauvreté. Sors de la prison. Sors. Yes, you are free. Tu es libre. Listen. Écoute. He said everybody's chain was loose. Le passage dit que everybody's les chain was loose. De tous les prisonniers ont été brisés. Say in the name of Jesus. Dis au nom de Jésus Christ. Every chain. Toute chaîne, every chain, toute chaîne, in on my hand, sur mes mains, that have blocked me professionally, qui m'ont bloqué sur le plan professionnel, every chain, toute chaîne, that have blocked me professionally, qui m'a bloqué sur le plan professionnel, I cut them now, je les brise maintenant, every chain, toute chaîne. Every chain, toute chaîne, that makes me, qui m'a fait, so that whatever I do, de que tout ce que je fais, I fail, j'échoue, professionally, sur le plan professionnel, I fail, j'échoue, spiritually, spirituellement, in ministry, dans le ministère, I fail, j'échoue, I cut off the chain, je brise la chaîne maintenant. Hey, pray for yourself. Prie pour toi-même. Hey, prie. Pray for yourself. Prie pour toi-même. Prie. Godo kobaka. In the name of Jesus, au nom de Jésus Christ, every bewitchment, tout ensorcellement, that have blocked you professionally, tout envoûtement qui t'a bloqué, professionnellement, and brought professional stagnation, et qui a porté la stagnation professionnelle, in the name of Jesus, au nom du Seigneur Jésus, we break it, nous la brisons, we free you, nous la brisons, et nous te libérons, nous te libérons. Hey, pray for yourself. Prie pour toi-même. Free yourself professionally. Libère-toi sur le plan professionnel. Professionally. Libère ta vie professionnelle. Libère. Libère ton travail. In business. Libère tes affaires. In your libère ministry. Tes affaires. Libère ton ministère. Libère ton travail. Libère tes affaires. Libère ton travail. Libère ton ministère. We release you professionally. Nous te libérons. Nous libérons ton travail. We release you professionally. Nous libérons ton travail.
And in the name of Jesus, et au nom de Jésus-Christ, that stagnation, cette stagnation at your place of work, à ton lieu de service, so that 10 years, de telle manière qu'en 10 no ans, promotion, il n'y a pas de promotion, 20 years, 20 ans, no promotion, pas de promotion, today, aujourd'hui, we free you. Nous te libérons. We free you. Nous te libérons. We free you in the name of Jesus. Au nom de Jésus. We free you in the name of Jesus. Nous te libérons au nom de Jésus-Christ. Lord, move me a power, free oh Seigneur, agis dans ta puissance. Lord, 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 we libère free tes enfants, libère tes enfants, we free Seigneur. Your children. Nous libérons we tes free enfants. Your children. Nous libérons tes enfants. Nous libérons tes enfants, Seigneur. And in the name of Jesus. Et au nom de Jésus-Christ. Say in the name of Jesus. Dis au nom de Jésus-Christ. I break the grip. Je brise l'emprise. Of joblessness over my life. Du chômage dans ma vie. Of joblessness over du my life. Du chômage dans ma vie. Of professional slavery. De l'esclavage professionnel. So that I work and I don't see what I'm doing. De telle manière que je travaille mais je ne vois pas le fruit de mon travail. Free yourself. Libère-toi of that slavery. Pray. Libère-toi de l'esclavage. Libère-toi de cet esclavage. God is moving in his power. Dieu est en train d'agir en puissance. To deliver many here. Pour délivrer plusieurs. You will witness the impact. Tu verras l'impact. There will be open doors for jobs. Il y aura des portes ouvertes pour des emplois. There shall be new jobs. Il y aura de bons emplois. There shall be new jobs. Il y aura de nouveaux emplois. There shall be new jobs. Il y aura de nouveaux emplois. And in the name of Jesus. Et au nom de Jésus-Christ. We open your mind. Nous ouvrons ta pensée. To create jobs. Pour créer des emplois. To create jobs. Nous créer des emplois. Lift up your hand. Let's pray a last topic of prayer. Lève la main, on va élever un dernier. We want you to pray with all your heart. On veut que tu pries de tout ton cœur. Say in the name of Jesus. Dis au nom de Jésus Christ. Every closed door before que me. Que toute porte fermée dans ma vie. Every door. Toute porte. The enemy has closed before me. Que l'ennemi a fermé dans ma vie. That has blocked my life. Et qui a bloqué ma vie. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. I command them open now. Je commande qu'elles s'ouvrent. Pray. Porte, ouvre-toi au nom de Jésus-Christ. 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 Be open. Ouvre-toi au nom de Jésus-Christ. Don't be open. Porte, ouvre-toi. Don't be open. Ouvre-toi au nom de Jésus-Christ. Don't be open. Professional door be open. Porte professionnelle ouvre-toi. Business door be open. Porte ouvre-toi. Door for marriage be open. Porte pour le mariage ouvre-toi. Porte pour la profession ouvre-toi. Porte pour le mariage ouvre-toi. Put your hand on your head. Say in the name of Jesus. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus. Au nom de Jésus Christ. Every demon. Que tout démon. That came in. Qui est entré dans ma vie. Came into my life. Qui est entré dans ma vie. Came around me. Qui est venu auprès de moi.
came around me, qui est venu auprès de moi, to close doors around me, pour fermer les portes autour de moi, in the name of Jesus, au nom de Jésus-Christ, I break their power over my life. Je brise ta puissance sur ma vie. I break their power over my life. Je brise ta puissance sur ma vie. I break their power over my life. Je brise ta puissance sur ma vie. And I command them. Et je t'ordonne. To go now. Va maintenant. And in the name of Jesus. Et au nom de Jésus-Christ. All the doors. Que toutes les portes. All the doors. Toutes les portes. All the doors. Toutes les portes. That were closed. Qui étaient fermées. Be open. Nous les ouvrons au nom de Jésus. Be open. Soyez ouverts. Be open. Ouvre-toi. Ouvre-toi au nom de Jésus. Pray in tongues, pray in tongues. Prie en langue, prie en langue, prie en langue, prie en langue. Pray in tongues. Prie en langue. Rio de Kobaka Shaker, the Katabaka, Rika Takabaka Shaker, the Katabaka, Rio Kobaka Shaker, the Katabaka, Rio Kobaka, Rio Kobaka, Rio Kobaka, Rika Takabaka Soko, Rika Kobaka, Rio Kobaka Shaker, the Katabaka. The Lord is telling some people here. Le Seigneur est en train de dire à certaines personnes ici. I open doors before you. J'ouvre les portes devant toi. In all directions. In all dans directions. Toutes les directions. In all directions. J'ouvre les portes devant toi. Open doors before you. J'ouvre les portes devant toi. J'ouvre les portes devant toi. Open doors before you. J'ouvre les portes devant toi. Doors are open before you. Les portes sont ouvertes devant toi. Doors are open before les portes sont ouvertes devant toi. Fear not. Ne point crainte. Fear not. Ne crains point. Fear not. Ne crains point. Fear not. Ne crains point. And in the name of Jesus, et au nom de Jésus-Christ, we bless your children. Nous bénissons tes enfants. With open doors, avec les portes ouvertes. In all directions, avec les, dans toutes les directions. In all directions, dans toutes les directions. Professional sur open le plan doors, professionnel, les portes ouvertes. Business open doors, les, sur les affaires, les portes ouvertes. Financial open doors, sur les finances, les portes ouvertes. Open doors for ministries. Des portes ouvertes pour le ministère. Open doors for ministry. Des portes ouvertes pour le ministère. We declare a new day in your life. Nous déclarons un nouveau jour dans ta vie. We declare a new day in your nous life. Nous déclarons un nouveau jour sur ta vie. And in the name of Jesus. Et au nom de Jésus-Christ. We speak resurrection. Nous proclamons la résurrection sur ta vie. What? Whatever died, si là où tu étais mort, whatever died in quel que life, soit ce qui était mort dans ta vie, we bring them back to life. Nous la ramenons à la vie. Lord, we put your blessing on your people. Oh Seigneur, nous posons ta nous mettons ta bénédiction sur ton peuple. And we release your people. Et nous libérons ton peuple. To move in all directions. Pour que ton peuple avance dans toutes les directions. Free. Libéré. Free. Libéré. To fly in all directions. Pour s'envoler dans toutes les directions. Let's give a clap of joy. Acclamons très fort pour le Seigneur. Jésus n'a pas changé, il est le même.